Est-ce que tu serais en train de te magasiner une montre de sport, mais parmi tous les choix qu'il y a de disponibles sur le marché, tu sais pas trop laquelle choisir? Eh bien, je peux te comprendre, parce que dans les deux dernières années, j'ai testé toutes ces montres-là, et même plus, parce que j'en ai déjà revendu quelques-unes. Tout ça pour faire des vidéos de déballage, de critiques, des tutoriels. J'ai vraiment exploré ces montres-là de fond en comble pour pouvoir aujourd'hui te faire le guide d'achat le plus complet que tu peux probablement trouver sur YouTube. Ce que tu es sur le point de voir, c'est une vidéo qui est chapitrée en 40 points dans lesquels on va voir les options que je trouve les plus importantes et que je te recommande fortement, jusqu'à ceux que je te recommande de fuir à tout prix. Le tout est basé sur mon expérience avec ces montres qui proviennent de Garmin, Coros, Polar et Suunto. Alors, c'est parti! Salut! Moi, c'est Pascal et aujourd'hui, on va parler de montres. Mais pas n'importe quelle montre, on va parler de montres de sport et tout particulièrement celles avec un GPS. Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle j'ai le plus travaillé sur cette chaîne-ci, car au cours de la dernière année, j'ai acheté toutes ces montres pour les tester une par une pour pouvoir te faire la vidéo la plus complète qui soit. Dans cette vidéo, je ne vais pas te conseiller un modèle de montre très particulier, j'ai simplement l'intention de faire le tour de toutes les fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour que tu puisses faire un choix bien éclairé. Parce que la meilleure montre pour moi n'est pas forcément la meilleure montre pour toi. Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle, celle que j'utilise dans la vie de tous les jours quand je ne suis pas en train d'en tester une pour t'en faire une critique, c'est ce gros caillou. J'aime les grosses montres avec un gros écran parce que j'aime le look que ça donne et c'est très pratique pour voir la topographie en montagne. Mais je suis très conscient que c'est probablement l'opposé de ce que recherche quelqu'un qui souhaite courir ou probablement n'importe quelle femme parce que non, on n'a pas la même taille de poignet. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je te fais une critique bien complète et plusieurs tutoriels. Tu peux fouiller dans la description pour les retrouver, mais je te reviens avec ça à la fin de la vidéo. Je te promets, tu verras pas le temps passer, mais comme la vidéo est très longue, j'ai pris le temps de la chapitrer. Donc si jamais tu veux voir quelque chose de très précis ou que je suis en train d'expliquer quelque chose que tu te fous complètement, prends ta souris ou ton doigt, glisse-la dans le bas de la vidéo sur la ligne de temps et tu pourras sélectionner le chapitre que tu veux. Tu peux aussi descendre dans la description pour voir la table des matières. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'auront plus de secret pour toi. Et je vais tout de même te donner quelques suggestions de modèles à la fin de la vidéo. Et tu vas voir, quand on parle de montres de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur mode sportif. Commençons avec le premier point de cette vidéo. Pourquoi acheter une montre de sport? Ma première raison personnelle, c'est parce que ça me donne le goût de bouger. Depuis le 1er janvier 2020, je fais une activité physique par jour et ce qui me motive à tous les jours, c'est que je suis fier de regarder mon calendrier Strava et de voir que je bouge vraiment à tous les jours et ce, sans exception. Ta future montre va pouvoir te suivre partout et ce, peu importe le sport que tu fais. De la marche, de la course, du vélo, du hiking, du kayak, de la natation, du crossfit, de la musculation, du tapis roulant, de l'escalade ou même du pédalo si tu veux. Ta montre devrait être capable de monitorer la distance que tu parcours, le nombre de pas que tu fais, ton gain en élévation, tes pulsations cardiaques, ton nombre de respirations par minute et j'en passe. Tu devrais pouvoir participer à des défis pour parcourir tant de distance ce mois-ci ou un blitz intensif cette semaine ou tu pourrais même t'en servir pour compétitionner avec ta famille ou tes amis pour savoir qui va aller le plus loin ce mois-ci. Voir un cumulatif annuel de tout ce que tu fais, c'est aussi très gratifiant. Outre que pour le fun, tu peux aussi t'acheter une montre pour performer ou voir des statistiques très poussées. La plupart des montres viennent avec des programmes d'entraînement qui sont capables de te suivre et de te proposer des activités à faire à tous les jours, que ce soit pour te maintenir en forme ou pour atteindre un objectif comme courir un marathon peut-être. De mon côté, je le vois aussi comme un outil de navigation. On a aujourd'hui des montres avec une cartographie complète qui sont capables de tracer des itinéraires pour t'amener à ton objectif à même la montre. Ou pour t'aider à revenir à ta voiture par le chemin le plus court. Ou celui avec le moins d'ascension si tu préfères. La navigation m'a sauvé la vie à deux reprises en montagne. Une fois en montagne, en automne, je me suis égaré du sentier et je l'ai remarqué beaucoup trop tard et j'étais perdu. Après un moment de panique, j'ai eu qu'à regarder sur ma montre et suivre le tracé
pour retourner jusqu'à l'endroit où j'avais quitté le sentier. L'autre fois, j'étais dans une tempête de neige au sommet d'une montagne. Elle était tellement forte qu'elle effaçait nos traces de pas en moins d'une minute et on voyait absolument rien à plus de 10 mètres devant nous. Encore une fois, j'ai eu qu'à revenir sur mes pas en suivant le tracé sur la montre. Dans un autre sens, c'est définitivement un outil de sécurité qui peut te sauver la vie. Tu peux d'ailleurs te servir de certaines montres pour partager ta géolocalisation aux personnes que tu souhaites. Et tu peux même envoyer un message à tes contacts d'urgence avec tes coordonnées géographiques si jamais la montre détecte que tu as eu un malaise ou un accident. Attention, c'est pas toutes ces montres qui ont ces fonctions, mais on va en parler au cours des prochaines minutes. Point suivant, la qualité du verre de ta montre. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais, je te casse les oreilles avec ça tout le temps. Peu importe la montre que je m'achète pour moi, elle doit absolument avoir un verre en cristal de saphir. Et pourquoi? Parce que c'est tout simplement la vitre la plus résistante aux égratignures que tu peux retrouver sur une montre. D'ailleurs, si tu regardes n'importe quelle montre de luxe, oui, ceux qui sont faites avec des aiguilles, elles sont pas mal toutes faites, à part peut-être quelques exceptions, avec des verres en cristal de saphir. Le cristal de saphir, c'est pas quelque chose qui se retrouve en nature, c'est un minéral fabriqué en usine par un procédé très complexe. Et le résultat, c'est ce verre ultra résistant. En gros, si tu veux connaître la résistance aux égratignures d'un minéral, il y a ce qui s'appelle l'échelle de Mohs. Ça classe les minéraux sur une échelle de 1 à 10, allant du plus faible, le talc, jusqu'au plus résistant, le diamant. Eh bien, sur cette échelle, le cristal de saphir se trouve juste en dessous du diamant. Il n'y a aucun minéral de plus résistant que le cristal de saphir, à l'exception du diamant. Ah, c'est bien beau tout ça, mais ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que t'as pas avoir peur de la porter. t'as pas avoir peur de l'accrocher sur un cadre de porte en allant aux toilettes, ou t'as pas avoir peur de la porter pour aller au travail, quoique ça, peut-être que ça dépend de ce que tu fais, mais t'as pas avoir peur à... T'as pas besoin d'avoir peur de la porter pour aller faire une course à obstacles, par exemple. Je porte une montre à mon poignet avec un verre en cristal de saphir depuis maintenant environ 10 ans et jamais, jamais j'ai réussi à égratigner une de mes montres. Du moins, pour le verre. Le boîtier, ça, c'est une autre histoire. Et c'est pas parce que je leur en ai pas donné l'occasion. Cette montre-là, à l'époque où j'étais employé, je la portais en travaillant à tous les jours. J'ai percé des murs de béton, j'ai transporté des charges, j'ai mis ma main dans des espaces restreints à de nombreuses reprises. Je l'ai cogné un nombre incalculable de fois. Et sa vitre est toujours impeccable. Et celle-là, il y a un certain temps, j'étais à vélo. J'ai monté une chaîne de trottoir et j'ai perdu l'équilibre. Le trottoir en question était sur un pont. Et au lieu de tomber, j'ai continué à rouler à côté sur le pont. Le seul point de contact qu'il y avait entre moi et le pont, c'était ma montre. La montre, elle a frotté contre la rampe du pont sur 5 mètres. Sa vitre est toujours impeccable. Et on peut sûrement pas en dire autant du pont, parce que j'ai dû frotter pendant un bon moment pour enlever des bouts de pont sur ma montre. Le boîtier, oui, il en a mangé un certain coup, là. Lui, il est quand même très magané. Mais le verre de cristal de saphir, il est toujours impeccable. Quand j'achète une montre à quelques centaines de dollars, voire même dans les milliers, la dernière chose que je veux, c'est qu'à chaque fois que je la regarde, c'est de voir une belle grosse graphigne. Alors, je prends toujours, toujours, toujours un verre en cristal de saphir. Bon, OK, le verre en cristal de saphir n'a pas que des avantages. Il coûte très cher à fabriquer, à un tel point que si une montre te donne l'option d'avoir ce fameux verre ou non, tu pourras constater que l'option te coûtera plus cher que certaines montres d'entrée de gamme. Comme par exemple le verre en cristal de saphir de cette Garmin Fenix 7X Saphir vaut la moitié du prix de cette Garmin Forerunner 55. Mais bon, c'est certain que c'est moins frustrant d'avoir une graphigne sur une montre à 260 $ plutôt qu'une montre à 1000 $.
Demande-toi juste avant d'acheter ta montre si tu es prêt à éventuellement avoir des graphines dessus si elle n'a pas de verre en cristal de saphir. Le verre de saphir est aussi légèrement plus lourd. C'est pourquoi tu ne le retrouveras pas en option sur plusieurs montres spécifiquement faites pour la course. Enfin, certains disent qu'il est moins résistant aux impacts que son plus grand compétiteur, le Gorilla Glass. Peut-être, j'ai jamais poussé les tests assez loin pour le savoir. Je devrais peut-être m'amuser à frapper avec un marteau sur mes montres ou les échapper volontairement sur une roche, mais je te rappelle qu'on parle ici de montres. C'est pas le genre de choses qu'on échappe accidentellement, c'est attaché à ton poignet. En plus, la plupart des montres de sport ont un écran de surface plate légèrement incrusté dans la montre, alors le verre reste très bien protégé contre les fameux potentiels impacts. En ce qui concerne le célèbre Gorilla Glass, oui, c'est tout de même un verre bien résistant. C'est le verre que l'on retrouve sur la plupart des téléphones, mais quand je regarde le mien, si on oublie les coins brisés parce que je l'ai échappé de nombreuses fois, on peut quand même voir que sa résistance aux égratignures est loin d'être extraordinaire. Elle a des graphines tout partout. Mais le gros avantage au Gorilla Glass versus le cristal de saphir, c'est qu'il est beaucoup plus transparent. Il est en effet beaucoup plus facile de lire l'écran qui se trouve derrière, car il est beaucoup plus clair, et il réfléchit aussi beaucoup moins la lumière. Et oui, la différence est quand même assez flagrante. Mais est-ce que tu préfères avoir des reflets dès aujourd'hui ou des graphines à partir de demain? Bref, personnellement, je prends toujours l'option du verre en cristal de saphir. Et si la montre que je veux n'offre pas l'option, j'en prends une autre. Mais fais ce que tu veux avec cette information-là, je fais juste la donner pour que tu sois au courant avant d'acheter ta prochaine montre. Je veux juste pas que tu viennes me voir en pleurant un jour si jamais tu scratches ta montre et que t'as pas pris l'option en verre de cristal de saphir. Si tu prends une montre avec un autre matériel que le verre en cristal de saphir, c'est pas une question de si, mais plutôt de quand, avant que t'aies ta première scratch. Et par pitié, parle-moi pas des protecteurs d'écran à 5$ que tu trouves sur Amazon. Ça serait comme ajouter du ketchup dans un restaurant 5 étoiles. Passons maintenant au troisième point de cette vidéo, la taille de la montre. Là, bien qu'il est certain que chaque taille a ses avantages et ses inconvénients, c'est surtout une question de goût. Personnellement, j'ai toujours aimé les grosses montres. Je les trouve physiquement plus belles et j'apprécie avoir ce gros caillou au poignet. Avoir une grosse montre me permet dans ce cas-ci d'avoir un plus gros écran. C'est très pratique pour afficher plus de données sur le même écran ou pour afficher des données plus grosses. Par exemple, quand je fais du vélo, je me mets un écran avec une grosse donnée, deux moyennes et trois petites. Ce qui me permet de voir facilement quand je roule mes pulsations cardiaques, ma vitesse et la distance parcourue. Je peux me concentrer à lire par moments plus doux ma vitesse moyenne, mon altitude et l'heure. Par contre, lorsque je pratique une activité plus lente comme de la marche ou du hiking, là, avec mes jeunes yeux encore en santé, je peux me permettre de mettre 9 petites données que je peux lire en toute aisance. Si jamais tu t'inquiètes de la taille de la montre et que tu cherches un point de référence, voici la grosse Garmin Tactic 7 sur mon poignet d'une circonférence d'environ 170 mm. C'est une montre de 51 mm. À mon avis, quand tu la portes pour la première fois, ça fait très gros, mais ça ne m'a pris que quelques heures pour m'y habituer. Aujourd'hui, je la sens presque plus à mon poignet. Bon, cela dit, il y a quand même quelques désavantages à avoir une grosse montre au poignet. Ça peut être encombrant lorsque tu fais certaines activités. Je me souviens lorsque je travaillais encore comme technicien informatique, lorsque je devais faufiler ma main dans des endroits très restreints, il m'arrivait parfois de devoir la retirer pour pouvoir y arriver. Si tu fais beaucoup de travaux manuels, une grosse montre, c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi. Dans mon cas aujourd'hui, le seul moment où elle vient me déranger, c'est au gym, dans certaines positions, surtout sur les machines. Il y a comme la poignée d'halter qui vient se fracasser dans le mouvement sur l'écran de la montre. Alors, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je la porte à l'envers pour avoir l'écran en dessous. Mais sinon, c'est vraiment tout. Et on est maintenant rendu au quatrième point de la vidéo et on va maintenant parler de deux facteurs indissociables. Le poids et la qualité de fabrication de la montre. Plus la montre est lourde,
de meilleure qualité, elle est. Et ça fait tout de même du sens. Si tu vas avoir une belle montre avec des matériaux de qualité, tu vas souvent voir du titane avec un verre en cristal de saphir. Le titane, par exemple, bien qu'un matériel très résistant et très léger pour un métal, n'a rien à voir avec la légèreté du plastique. Oh, le plastique! C'est le matériel que l'on retrouve le plus souvent sur les montres destinées aux coureurs. Et ça fonctionne très bien. Ces montres en plastique sont excessivement légères. Ils ont été dessinés dans le but d'être légères. Ça ne veut pas dire qu'elles sont de mauvaise qualité, mais à toi de juger si tu es prêt à dépenser une bonne somme d'argent pour une montre en plastique. Personnellement, je suis pas capable. Mais je dois avouer que j'oublie très rapidement son poids au poignet, mais on n'est pas toutes pareilles. Une des montres les plus légères que j'ai testées, c'est la Suunto 5 Peak. 39 grammes. Mais je l'ai immédiatement retournée. Elle avait atteint la limite du raisonnable. Vraiment très légère, mais je la ressentais aussi vraiment très fragile. La Garmin Forerunner 55, par exemple, ne fait que 37 grammes, mais j'ai pas peur de la briser en la manipulant. Il se fait donc aussi diverses qualités de plastique et d'assemblage. Et par comparaison, ma Garmin Tactics fait 39 grammes. Mais au final, c'est un choix que tu dois faire. Une montre légère en plastique ou une montre plus lourde avec des matériaux de qualité. Point numéro 5! Les types d'écran. Il y en a deux que tu vas retrouver plus souvent sur une montre de sport et c'est les types MIP et AMOLED. MIP, AMOLED, ça veut dire quoi tout ça? MIP pour Memory in Pixel. Et AMOLED pour Active Matrix Organic Light Emitting Diodes. AMOLED, oui, c'est ça. Et en français, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, commençons par le AMOLED. Au premier regard, c'est très certainement l'écran que tu préféreras parce qu'il est incontestablement plus beau. Il offre de belles couleurs en plus d'une lisibilité impeccable depuis la noirceur de ta chambre jusqu'au sommet de la montagne la plus ensoleillée. Le secret derrière cette technologie, c'est que chaque pixel de l'écran produit sa propre lumière. On y retrouve alors des noirs purs et des couleurs brillantes d'une justesse inégalée. Par contre, tout ça vient à un coût très élevé et je parle pas seulement de ton portefeuille. Je parle en consommation d'énergie. Car comme chaque pixel crée sa propre lumière, ça veut dire que chaque pixel allumé consomme de l'énergie tant aussi longtemps qu'il reste allumé et il consomme beaucoup d'énergie. Pour en économiser, tu as en général deux options. La première est de programmer ton écran dans un mode où est-ce qu'elle s'allumera uniquement lorsque tu la regardes, donc quand tu fais ce mouvement. Sinon, c'est de vivre avec le fait que ta batterie va se vider rapidement. L'écran restera allumé tout le temps, mais si le manufacturier a bien fait son travail, tu remarqueras quand même quelques petits trucs qui permettent à la pile de se vider un peu moins rapidement. Les pixels allument plus fort lorsque tu regardes la montre. Comme tu peux voir, les pixels vont s'assombrir alors qu'elle est dans une position où je ne la regarde pas. Et si tu remarques aussi, le fond est noir. Alors, un pixel noir correspond à un pixel éteint qui ne consomme pas d'énergie. Et comme par exemple dans le cas de celle-ci, l'intérieur des chiffres de l'heure se vide pour consommer encore moins. Pour l'écran MIP, en revanche, les couleurs sont beaucoup plus ternes. C'est pas désagréable à regarder, à moins d'être déjà habitué au confort de l'écran AMOLED, mais bien que côte à côte, l'écran MIP semble vraiment misérable, c'est pas si mal que ça. En fait, la montre que j'ai choisie comme montre de tous les jours a un écran MIP. Elle est très visible sous le soleil. En fait, plus c'est éclairé, mieux on va la voir. Ça se gâche dans l'obscurité où il est absolument impossible de lire l'écran. Il faut alors activer d'un clic de bouton le rétroéclairage.
Les meilleures montres avec un écran MIP vont te donner l'option d'activer le rétroéclairage uniquement lorsque tu les regardes. Même principe qu'on a avec l'écran AMOLED qui s'active lorsque tu la regardes. Et les meilleures d'entre elles vont te permettre de le faire uniquement alors que le soleil est couché. Et on pourrait peut-être même pousser ça encore plus loin, seulement pendant une activité physique alors que le soleil est couché. C'est vraiment une option que je juge essentielle. Tu ne veux pas devoir aller cliquer sur un bouton à chaque fois que tu veux voir ta vitesse alors que tu fais du vélo de soir ou de nuit, par exemple. Le point fort d'un écran MIP versus le AMOLED réside dans le fait qu'elle consomme très peu d'énergie. En fait, elle en consomme uniquement lorsqu'il y a un changement d'état à faire sur l'écran. Donc, une fois par minute pour l'heure et chaque fois que c'est nécessaire pour les autres données, comme l'altitude et les pulsations cardiaques. Mais attention, ça consomme uniquement de l'énergie pour la portion de l'écran qui est changée. C'est le changement de l'état d'un pixel qui épuise la batterie. Et comme la plupart des pixels sont statiques sur une montre, c'est donc très peu énergivore. Excepté quand tu utilises le rétroéclairage. Dans ces moments, tu dois tomber à la consommation équivalente de l'écran AMOLED. En résumé, si tu ne fais jamais d'activité qui dépasse une journée et que ça ne te dérange pas de devoir recharger ta montre plus régulièrement, l'écran AMOLED est probablement la meilleure option pour toi. En revanche, si tu es du genre à partir sur des expéditions ou que tu souhaites simplement recharger ta montre le moins souvent possible, l'écran MIP est le meilleur choix pour toi. Et attention, je vais être clair sur un point, à moins de t'en aller vers une montre intelligente ultra connectée comme une Apple Watch, même si tu as un écran AMOLED, techniquement tu devrais faire plus d'une journée de charge avec. La Garmin Epix avec son écran AMOLED que je te montre depuis tantôt devrait te donner quelques jours d'utilisation, voire peut-être même un peu plus d'une semaine, dépendamment de ce que tu en fais. Mais une montre comme la Garmin Enduro 2 te donnera des semaines de charge, voire même plus d'un mois si tu n'utilises pas le GPS. Mais bon, j'imagine que la plupart des gens qui achètent ce genre de montre utilisent le GPS. Du moins, moi, je l'utilise. Qui nous amène au point suivant, le fameux GPS. Ce qui pourrait sembler être un des points les plus importants de cette vidéo est pourtant, à mon avis, un des plus banals. Parce qu'en général, ça fonctionne vraiment bien, peu importe la montre que tu prends, ou presque. Ce qui est réellement important, c'est de s'assurer que la montre que tu utilises capte ta géolocalisation à chaque seconde. Très important parce que si elle ne le fait pas, tu vas te ramasser avec un tracé GPS qui ressemble à ça. Dans cet exemple, ma position devait être enregistrée aux 30 secondes ou peut-être même aux minutes. Comme tu peux voir, il semble que j'ai parcouru des lignes droites et dévié de quelques degrés régulièrement. Donc non seulement ça a l'air fou sur la carte, mais la distance parcourue est faussée car comme toutes les courbes du sentier ne sont pas enregistrées, on peut rapidement remarquer un écart avec la distance réellement parcourue et ce, généralement vers la baisse. Aussi, comme la vitesse affichée sur ta montre est basée sur ta géolocalisation et celle du précédent point enregistré, c'est-à-dire que s'il y a une seconde, tu étais à 2,5 mètres à l'ouest, tu te déplaces à une vitesse de 9 km/h. Donc, si ta montre enregistre une géolocalisation à toutes les 30 secondes, eh bien ta vitesse en temps réel, tu peux l'oublier. La quasi-totalité des montres de sport peuvent vérifier ta géolocalisation GPS à une fréquence de une fois par seconde, mais fais attention, certaines d'entre elles ne le font pas par défaut. Bon, maintenant, en ce qui a trait à GPS, GLONASS et Galileo, à mon expérience, c'est pas très important. Si ça te dit rien, je t'explique rapidement comment fonctionne un système GPS. Et attention, je ne suis pas ingénieur, je peux peut-être déformer quelques propos. Dans le ciel, il y a tout plein de satellites. Tous les satellites et tous les objets qui s'y connectent, comme ta montre, fonctionnent sous une horloge synchronisée ultra précise. On va dire en nanosecondes.
Les satellites se synchronisent entre eux et ta montre se synchronise de temps en temps en se connectant à ton téléphone ou à ton ordinateur. Eh bien, les satellites, qui sont en passant stationnaires à un endroit très précis, à environ 20 000 km d'altitude dans le ciel, ne font qu'envoyer 7 heures ultra précises vers la Terre. Et bien qu'ultra rapide comme signal, il y a un très léger délai causé par la distance entre le moment où l'heure est envoyée et le moment qu'elle atteint la Terre. Quand ta montre capte l'heure d'un satellite, elle calcule tout simplement la différence entre l'heure qu'elle reçoit versus son horloge interne pour calculer sa distance entre elle-même et le satellite. Mais comme ta montre reçoit le signal de plusieurs satellites, elle est capable de créer une triangulation pour connaître sa position exacte sur la Terre. Bon, maintenant que tu sais comment ça fonctionne, tu dois savoir qu'il existe trois systèmes satellitaires de positionnement dans le ciel. Le plus ancien des trois est un GPS, pour Global Positioning System, appartenant aux États-Unis. Puis GLONASS, un équivalent russe lancé quelques années plus tard, et enfin Galileo, un autre équivalent, celui-ci lancé par l'Union européenne. Ils fonctionnent tous environ de la même manière. Bon, revenons-en maintenant aux montres. Toutes les montres que j'ai testées peuvent se connecter à GPS et certaines autres vont aussi avoir l'option de se connecter à GLONASS et ou Galileo. Si on recule de quelques années, les montres qui avaient l'option de se connecter aux trois systèmes pouvaient seulement le faire à un à la fois. Maintenant, on voit de plus en plus des montres sortir avec un système de double fréquence, c'est-à-dire qu'elles peuvent se connecter à deux systèmes satellitaires en même temps. Et techniquement, c'est une bonne chose. Plus ta montre est capable de se connecter à de nombreux satellites, plus sa connexion va être précise et stable. Et là, tu peux aller lire tout ce que tu veux sur Internet. Tu vas voir qu'il y en a un qui est plus précis en montagne. Il y en a un autre qui est plus précis tout court. Il y en a un qui fonctionne mieux en ville. Il y en a un qui est mieux pour ci. Il y en a un qui est mieux pour ça. Et bla 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 bla. Écoute, c'est sûrement vrai tout ça. Mais à moins que tu sois arpenteur, on s'en fout pas mal de tout ça. À mon expérience, sur ma montre, je me connecte uniquement à GPS parce que ça consomme moins de batterie que de se connecter à plusieurs et ça fonctionne réellement pas mal toujours très très bien. Regarde, ici j'étais sous un énorme pont en plein cœur de Montréal et je me suis tassé de la rue pour monter sur la chaîne de trottoir et on le voit très bien. J'étais uniquement en mode GPS. Vraiment, j'ai que très rarement vu des anomalies GPS sur mes tracés. Vraiment, ça arrive à toutes les montres de faire des erreurs. Mais en général, ça fonctionne vraiment très bien, et ce, même avec une montre d'entrée de gamme. Tout ça pour dire que quand tu n'as pas la tête à regarder les statistiques de GPS de toutes les sortes de montres, ça va bien fonctionner de toute façon. Mais oui, si la majorité de tes activités se font dans un environnement où est-ce que la réception satellitaire est terrible, comme par exemple en plein cœur de Manhattan, ou sur une paroi rocheuse parce que tu fais beaucoup d'escalade, le GPS à double fréquence est certainement une bonne idée. Par contre, il y a bien un élément qui est très variable d'une montre à l'autre, et c'est ce qui nous amène à notre prochain point, le capteur cardiaque. Aujourd'hui, je crois pas me tromper en affirmant que la totalité des montres, du moins celles qui sortent ces jours-ci, ont un capteur cardiaque intégré à l'arrière pour capter tes pulsations cardiaques au poignet. Et c'est bien dommage. Je veux dire par là que certaines montres en fournissent un tellement mauvais que finalement, tu te retrouves qu'à payer pour un outil qui non seulement te sert à rien, mais qui en plus t'affiche des données erronées. Heureusement, c'est pas le cas de toutes les montres, mais il semblerait tout de même que l'expérience du capteur cardiaque varie d'une personne à l'autre selon plusieurs facteurs tels que la pilosité, la présence de tatous et la teinte de la peau. Plus la peau est foncée et plus il y a d'obstacles entre le capteur et tes veines, plus il est difficile pour ce type de capteur de visualiser ton flux sanguin.
Alors, malheureusement, sur ce point, comme ça varie d'une personne à l'autre, c'est un peu un jeu de dés de savoir si ça va bien aller ou non. À mon expérience, j'ai obtenu d'excellents résultats avec Polar et aussi avec la dernière série de Garmin. Mais il n'en reste que si tu vas avoir les données les plus précises, c'est une ceinture cardiaque à la poitrine que tu vas avoir besoin. Personnellement, je trouve que c'est assez dérangeant à utiliser. C'est soit trop lousse et ça finit par tomber, ou trop serré et ça finit par me donner des crampes. Alors, même si ça donne les données les plus précises, en plus d'être en général capable de calculer tes respirations par minute, je préfère sacrifier ce type de précision au gain du confort. Outre la précision du capteur, il y a probablement deux autres choses que tu veux vérifier avant d'acheter ta prochaine montre. La première étant la fréquence d'enregistrement. Lors d'une activité, toutes les montres que j'ai testées monitoraient mes pulsations en temps réel, mais certaines d'entre elles tombaient dans un tout autre monde au repos. Certaines vont vérifier tes pulsations cardiaques aux 20 à 30 minutes. Je trouve ça un peu ridicule quand tu veux avoir un profil complet de tes pulsations. Disons que je suis assis à mon bureau toute l'après-midi et que ma moyenne de pulsation cardiaque au repos est de 52 battements par minute. Mais que tiens, disons que je reçois un colis et que ma montre décide de capter mes pulsations cardiaques alors que je suis en train de remonter ce gros colis dans les marches et que mon cœur bat à 130 battements par minute. Ça vient en quelque sorte fausser tous les résultats de la dernière demi-heure. Alors que sur une montre qui vérifie tes pulsations en continu, tu es même capable de voir en combien de temps tu te rétablis. Un dernier point à vérifier, et celui-là tout particulièrement si tu prévois dormir avec ta montre, ou même l'amener dans ta chambre, c'est à quel point est-ce que la lumière verte derrière la montre s'échappe lorsque tu l'as à ton poignet. La plupart sont très bien et on voit leur lumière que très rarement ou sous un angle très précis. Mais disons que cette montre m'a réveillé quelques fois parce qu'elle fait une lecture aux 20 minutes, elle éclaire très très fort et elle laisse la lumière s'échapper sur les côtés, même lorsque tu la portes au poignet. Je te laisse imaginer ce que ça donne quand tu dors et que tu déposes ta main à côté de ta tête et que soudainement, boum, elle vérifie tes pulsations. Ouais, ça réveille très très mal. Ah oui, et cette montre-là, tout particulièrement, tente de vérifier tes pulsations cardiaques même quand tu la portes pas. Alors imagine ce que ça donne quand tu la laisses sur ta table de chevet. Oui, ça fait une belle lampe de poche verte à toutes les 20 minutes, toute la nuit. C'est vraiment pas génial quand l'objet qui est censé monitorer ta qualité de sommeil nuit à celui-ci. Heureusement, cette montre n'était qu'un très mauvais exemple et la plupart fonctionnent très bien. Parlant de lampes de poche, ça nous amène au huitième point. Les lampes de poche. Et là, tu te demandes bien qu'est-ce que ça peut bien venir faire là-dedans, les lampes de poche. Eh bien, parlons-en. Il y a quatre niveaux en termes de lampes de poche avec les montres. Le premier, c'est ceux qui en ont juste pas. Vraiment pas cool. Au deuxième niveau, il y a les montres avec un écran MIP qui ont la possibilité d'allumer une page blanche avec le rétroéclairage allumé au maximum. Ça a peut-être l'air stupide comme ça, mais quand tu es dans un environnement très très sombre, ça te donne juste assez de lumière pour être capable de distinguer ce qui t'entoure. Je m'en suis déjà servi pour terminer un sentier dans le bois de nuit, sans lune. Une nuit très très sombre et ça fait une différence majeure. Au troisième niveau, on a exactement le même principe, mais avec un écran AMOLED. Ça éclaire au moins deux fois plus. À ce degré, ça commence à être utile un peu plus régulièrement. Et enfin, le niveau ultime, on commence à voir des montres avec littéralement une lampe de poche. Tu penses peut-être que ça a l'air d'un gadget, mais je te jure, je voudrais plus jamais avoir d'une montre sans lampe de poche. C'est un outil que j'utilise au moins une fois par jour. C'est vraiment, mais vraiment génial.
Pour trouver un document dans une pièce non éclairée, pour faire un sentier la nuit, pour créer une lumière de sécurité qui clignote à ton poignet lorsque tu cours la nuit sur le bord de la rue, ou encore pour remplacer ta lumière arrière de vélo lorsque tu l'as oubliée à la maison avant de partir. Vraiment, ça me sert pour toutes sortes d'occasions. Oh! Point suivant, les écrans tactiles. J'ai testé quelques montres qui en avaient de très mauvaises, ou juste peut-être mal configurées, mal programmées. Peu importe, ça fonctionnait vraiment mal. Parfois, ça répond au ralenti, d'autres fois, ça fait juste pas ce que je veux, ou d'autres fois, on peut remarquer carrément que l'écran tactile, ça a été un ajout de dernière minute, que la montre a été réfléchie pour être utilisée avec des boutons, mais que cette énergie n'a pas été retransmise dans cet ajout d'écran tactile. Alors, pendant longtemps, j'ai juste détesté l'idée d'avoir un écran tactile sur ma montre. Jusqu'à ce que j'en essaie une avec un écran qui fonctionne bien. Un toucher avec des options intelligentes qui me permet d'utiliser la montre plus rapidement grâce à ses fonctions tactiles. Fluide, bien réfléchi, bien construit. Et là, oui, ça devient très agréable à utiliser dans certaines conditions. C'est-à-dire que c'est agréable à utiliser quand tu veux naviguer dans les menus, les widgets, quand tu veux interagir avec ta montre sur une période prolongée ou pour pouvoir accéder rapidement à une option. Mais toujours lorsque tu n'es pas en train de faire du sport. En activité, tu veux absolument que ton écran tactile puisse se désactiver et attention, c'est pas possible sur toutes les montres. Le truc qu'il y a avec les activités physiques, c'est que, par exemple, si tu nages ou s'il y a des averses, ta montre va être mouillée. Mais est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser ton téléphone sous la pluie? C'est vraiment pas super. Et même s'il pleut pas, comme tu es en exercice physique, tu vas sûrement être en train de suer. Et là, encore une fois, ça fonctionne pas bien dès qu'il y a des gouttes de sueur sur l'écran. Ton écran se met à faire n'importe quoi, changer de page quand tu veux pas, ou t'empêcher de le faire quand tu veux, ou encore pire, peut-être même dans certains cas, d'arrêter ton activité. Tu veux donc aussi pouvoir la désactiver rapidement en cas de besoin. Le pire, c'est quand une montre est faite de sorte à ce que tu sois obligé d'utiliser les fonctions tactiles pour certaines commandes. Et comme celle-ci. Le seul moyen de faire apparaître ce menu, c'est de glisser son doigt vers le bas. C'est donc pratiquement impossible à faire lorsque tu as des gants parce qu'il fait froid ou quand il pleut, par exemple. Il faut absolument que ta montre ait été pensée pour être utilisée avec des boutons et que les fonctions tactiles ne soient que facultatives et te permettent d'utiliser ta montre plus rapidement au besoin. De mon côté, même si les fonctions tactiles sont super bien faites sur ma montre, je les utilise que de temps en temps parce qu'au final, je préfère utiliser les boutons. Donc, en résumé, si tu tiens absolument à avoir un écran tactile sur ta montre de sport, assure-toi d'abord qu'elle peut fonctionner sans, qu'elle est bien programmée, qu'elle répond bien aux commandes et surtout que tu puisses désactiver l'écran tactile très rapidement. Ah oui, j'allais oublier. Un gros défaut de l'écran tactile quand tu l'utilises, c'est que ton écran devient tout sale à cause de tes doigts gras. Mais ce que j'aime vraiment de l'écran tactile de ma montre, c'est de naviguer sur la carte. Mais, et c'est ce qui nous amène au point suivant, la cartographie. Et surprenamment, encore aujourd'hui, très peu de montres de sport en offrent une et encore moins en offrent une très complète. Je vais te présenter ce chapitre de la même façon que la lampe de poche un peu plus tôt. Je vais commencer avec l'exemple le plus ordinaire et je vais terminer avec le plus impressionnant. En premier lieu, certaines montres n'auront qu'à t'offrir comme seule option qu'une boussole. Bon, c'est mieux que rien, mais tu vas voir que comparé aux options qu'on va voir dans quelques minutes, c'est plutôt ordinaire. Au prochain niveau, on retrouve ce que l'on appelle le petit pousset. Je déteste ce nom. En anglais, c'est ce qui s'appelle le breadcrumb, pour les miettes de pain que tu laisses traîner par terre. L'idée est qu'il n'y a aucune carte sur la montre, mais dès que tu démarres une activité, un tracé se dessine sur une page blanche pour indiquer où t'es passé. Comme si tu jetais des miettes de pain par terre pour t'aider à revenir sur tes pas. Peu importe où t'es rendu, ça t'aidera à revenir à ton point de départ. La plupart des montres qui t'offrent cette fonction ont généralement aussi une option qui te permet de t'aider à revenir sur tes pas.
Et en général, elles te permettent aussi de t'indiquer la direction et la distance à prendre si tu veux revenir à ton point de départ en ligne droite au cas où tu voudrais piquer directement dans le bois. C'est quand même assez pratique. Le niveau suivant est d'avoir littéralement une carte sur ta montre. Tu es par exemple capable de voir les routes et les sentiers. D'autres te permettent littéralement de voir le nom des rues et des sentiers, les parcs, les antennes au sommet des montagnes, la topographie de la région, les rivières, les toilettes, les restaurants et un paquet d'autres affaires. Et au niveau maximum du moment, tu pourras même utiliser cette carte pour naviguer. C'est-à-dire que tu pourras littéralement faire une recherche des restaurants autour et la montre te créera un itinéraire pour t'y rendre. Tu peux également utiliser une application sur ton téléphone pour rechercher un endroit en particulier sur un plus gros écran et envoyer cette localisation à ta montre en un instant pour que celle-ci te crée un itinéraire. Tu peux également créer des itinéraires manuellement à partir d'une autre application pour passer où tu souhaites précisément. Avec ce genre d'option, plutôt que de revenir sur tes pas, tu peux carrément demander à ta montre de te faire revenir à ton point de départ par le chemin le plus court. Ou celui avec le moins d'ascension, si tu préfères. Il y a certaines montres qui sont même capables de calculer un itinéraire en boucle à partir de l'endroit où est-ce que tu es, pour la distance que tu souhaites, et ce, avec rien d'autre que ta montre. Et cette montre en fait encore beaucoup plus, alors si la navigation c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo en haut à droite, sinon ce serait beaucoup trop long à expliquer. Pour vrai, elle en fait vraiment beaucoup. Mais si t'es du type à aller t'aventurer en montagne, hors sentier ou même dans des grandes villes que tu connais pas, avoir la cartographie complète avec les options de navigation sur ta montre est un outil tellement puissant parce qu'il te permettra de te sentir en confiance partout où est-ce que tu es, parce que tu pourras toujours rentrer facilement. J'aimerais revenir sur un point par rapport au contrôle. On a parlé un peu plus tôt de l'écran tactile, mais j'aimerais qu'on voit ensemble la couronne. J'ai pas une grande expérience avec les couronnes parce que j'ai testé seulement deux montres avec ce type de contrôle et il s'agit dans les deux cas de montres de Coros. Et je pense que l'idée est excellente parce que ça te laisse aller de haut en bas et sélectionner à partir du même bouton. Donc, tu peux tout faire ça avec ton pouce ou ton index, dépendamment de quel côté tu l'utilises. Et tu n'as pas besoin de naviguer un peu partout sur la montre avec plusieurs boutons. C'est vraiment rapide et intuitif. Par contre, ça s'applique peut-être pas à toutes les montres, ni à tous les types de sport. Mais le problème que j'avais avec ça, c'est surtout en vélo. Dépendamment de la position que j'avais, il y a toujours un moment où est-ce que ma main venait appuyer sur la couronne. Et comme tu peux voir, j'ai donc renversé la montre. Ça, on va y revenir un peu plus tard. La couronne est maintenant rendue de ce côté-ci. Mais là, je me retrouvais avec un problème similaire. C'est mon manteau qui venait à côté sur la couronne. Et là, ça glissait de haut en bas. Heureusement, la montre a une option pour bloquer ces interactions indésirables. Ce qui prouve que c'est réellement un problème. Mais bien que ça aide, je réussissais encore à faire des interactions non volontaires. Et ça fait aussi que la montre est plus lente à utiliser parce qu'il faut la débarrer à chaque fois qu'on veut l'utiliser après une période d'environ 15 secondes. Dernier point, la plupart des terriens en ont probablement rien à faire et bien qu'une montre se contrôle toujours mieux à main nue, le système de couronne est plutôt terrible à utiliser avec une grosse mitaine. Et par chez nous, dans l'Est canadien, les gants et les mitaines, c'est pas juste une question de confort, c'est littéralement une question de survie. Alors, encore une fois, à mon opinion personnelle, vive les boutons physiques. Tiens, tant qu'à parler de boutons, parlons-en. Et là, attention, je sens qu'il y en a qui vont me reprocher de faire du favoritisme. Oui, personnellement, je préfère les montres de Garmin pour plusieurs raisons, mais je fais aucune faveur ici. Je fais juste énumérer des faits que j'ai réalisés après avoir testé plusieurs montres. Et je te rappelle qu'il n'y a aucune compagnie qui me paye pour faire cette vidéo-là. J'ai acheté toutes les montres que j'ai en ma possession, à l'exception de cette Coros qui m'a été envoyée par la compagnie.
Ma seule condition était qu'il me laisse dire en toute honnêteté ce que j'en pense. Alors maintenant que ça c'est dit, continuons et tu vas bientôt comprendre pourquoi je te l'ai mentionné. Garmin a vraiment très bien développé son système de boutons. On retrouve aucune interface sur aucune autre marque de montre de sport qui permet d'en faire autant avec une telle efficacité. Tout d'abord, 5 boutons. À droite, on retrouve les boutons de sélection et de retour. Alors qu'à gauche, on retrouve les boutons haut, bas et celui pour la lumière. Est-ce que tu te souviens un peu plus tôt quand je te parlais de la couronne de Coros que je te disais? Je te disais que quand je la portais comme ça, j'accrochais la couronne avec le haut de ma main. Eh bien, j'ai exactement le même type de problème avec la Suunto 9 et ses gros boutons à droite. Même chose. Eh bien, chez Garmin, ils ont tout simplement pas mis de boutons à cet endroit problématique. Donc, pas de problème. Chez Polar, il y a un bouton à cet endroit, mais sur cette montre-ci, il est tellement, tellement fin que ça n'a jamais été un problème. J'ai juste jamais réussi à me faire à la position et à la fonction de leur bouton. Peut-être que c'est juste une question d'habitude, mais je trouvais que c'était très peu intuitif. La fonction des boutons changeait d'une page, d'une activité ou d'un menu à l'autre et ça devenait quand même assez mélangeant. Une autre chose que j'apprécie d'un bon bouton, c'est une confirmation d'appui. Tu te souviens un peu plus tôt quand je te parlais des gros boutons de Suunto? Appuyer sur ces boutons-là, c'est comme appuyer sur une grosse guimauve. Il y a beaucoup de chemin à faire. Il n'y a absolument aucune réponse physique à part une vibration qui vient parfois avec un certain délai. La plupart des montres peuvent offrir une réponse auditive, mais personnellement, je trouve ça agressant, alors je le désactive sur toutes mes montres. Je veux avoir une réponse avec un clic quand j'appuie sur un bouton. Et là, Garmin a poussé la barre encore plus loin. Il est possible de se programmer des raccourcis vers une panoplie de fonctions en maintenant un bouton appuyé ou en maintenant deux boutons à la fois. Tu peux donc réellement personnaliser ta montre comme tu le veux. Pour faire un exemple rapide avec ma Garmin Tactix ici, le bouton Start, quand j'appuie dessus à partir de l'écran d'accueil, il va m'amener vers cette page-là pour démarrer une activité. Mais je me suis fait un raccourci quand je veux le connecter sur mon vélo stationnaire. Je le maintiens le bouton ici et ça l'envoie ma fréquence cardiaque rapidement vers mon vélo stationnaire. Le bouton du bas ici, lui, permet de descendre dans le menu. Mais si je le maintiens à n'importe quel endroit, ça va m'amener vers l'application de musique. Si je maintiens le bouton ici, ça m'amène vers le menu, mais j'ai fait un raccourci que si je maintiens les deux, ça active ou ça désactive mon écran tactile. Alors que le bouton en haut va allumer le rétroéclairage, mais si je le maintiens, ça va m'amener vers une page de widget et si j'appuie dessus à deux reprises, ça va allumer ma lampe de poche. Et on pourrait continuer à personnaliser ça quand même longtemps. Donc, en résumé, à mon avis, un bouton doit ressortir juste assez pour qu'on le ressente au toucher, mais pas trop pour qu'on puisse l'accrocher. Il doit faire clic quand on appuie dessus et avoir une certaine résistance. Pas trop dur, ni trop mou. Idéalement, il doit être possible de lui programmer des doubles fonctions et des combinaisons pour accéder à des raccourcis personnalisés. Et la meilleure disposition de boutons est de 2 à droite et 3 à gauche. Je t'avais dit que j'allais te revenir sur le sujet de renverser la montre. Eh bien, parlons-en. C'est quelque chose que jusqu'à présent, j'ai vu seulement chez Coros et je pense que toutes les marques de montres devraient offrir cette option. Parce que toutes les montres sont réfléchies pour être utilisées à partir de ton poignet gauche. Parce que c'est comme ça que la plupart des gens l'utilisent. Mais on fait quoi avec les gauchers qui veulent utiliser la montre sur le poignet droit? Techniquement, ils vont prendre la montre et l'amener sur leur poignet droit. Par contre, comme elle a été réfléchie pour être utilisée d'une certaine façon à gauche, elle se retrouve qu'elle est à l'envers à droite. Donc, chez Coros, on peut simplement la renverser, mettre l'écran à l'envers et l'utiliser de l'autre côté.
ou comme moi, personnellement, la montre est censée venir comme ça, mais je préfère avoir la couronne à gauche, alors je l'utilise à gauche parce que je peux le faire. Certes, on peut sûrement s'habituer, mais si ce bouton a été pensé pour être utilisé avec un pouce et celui-là avec un index, il devrait en être ainsi des deux côtés. Les sports disponibles dans la montre. Parlons-en. Ça doit être plutôt important sur une montre de sport, non? Toutes les montres n'ont pas autant d'activités sportives de préprogrammées. Dépendamment de ce que tu souhaites faire avec ta montre, c'est peut-être important d'avoir une grande variété de sports disponibles. Si tu pratiques plusieurs sports, tu pourras donc préconfigurer les fenêtres de données que tu verras sur chaque page de chaque activité. C'est important parce que quand tu fais du vélo, tu veux connaître ta vitesse, alors que quand tu cours, tu veux savoir ton allure. Quand tu fais du patin à glace, tu te fous très probablement de ta vitesse verticale. Alors que quand tu nages, le taux d'oxygène est probablement la dernière donnée qui t'intéresse. Tu veux sûrement pas activer non plus ton GPS quand tu fais du vélo stationnaire ou encore connecter ton compteur de foulée quand tu vas faire de la musculation au gym. Aux vitesses que tu atteins en ski alpin, tu vas avoir la précision satellitaire la plus précise, mais quand tu pars sur une expédition d'une semaine en montagne, peut-être que là, tu es prêt à faire certains sacrifices pour que ta batterie dure plus longtemps. Tu vois où je veux en venir? Chaque activité a ses préférences programmables en termes de ce que tu veux activer, connecter et voir à l'écran, en plus de te faire un beau petit logo quand tu regardes ton calendrier d'activité. Certaines montres ont très peu de choix en termes de sport, d'autres en ont plus, et les meilleures vont même jusqu'à faire une différence entre le vélo de route, de montagne, gravel, touring, cyclocross, électrique de montagne, intérieur et ta ride pour te rendre au travail. Assure-toi donc au minimum que la montre que tu choisis puisse faire les sports que tu souhaites, ou presque. S'il t'en manque un ou deux, c'est quand même pas la fin du monde. Par exemple, j'ai pas mon fameux patin à roues alignées que j'aimerais bien pouvoir avoir sur ma montre favorite parce que j'en fais deux ou trois fois par année. Je me suis donc programmé un autre. Il y a un dernier point à voir dans ce chapitre, mais je l'espère, on devrait plus avoir à en parler d'ici peu. Et c'est la quantité de sports disponibles dans la montre simultanément. Dans les meilleures montres, on se casse pas la tête, on a un menu de sports favoris et un menu pour les autres sports. Mais il y a encore des mondes sur le marché qui nous obligent à faire un choix parmi une liste et c'est seulement ces choix-là qui seront disponibles dans la montre jusqu'à la prochaine synchronisation. Come on, la mémoire, ça coûte pratiquement rien aujourd'hui. Laisse-moi donc avoir tous mes sports directement dans ma montre sans que j'aie à aller faire une synchronisation avant de faire mon activité. Parlons maintenant du mode multisport. Certainement une fonction qui sera utilisée par une minorité, mais j'ai remarqué à quel point certaines montres la font tellement mieux que d'autres. Mais c'est quoi un mode multisport? Si par exemple tu vas faire un triathlon, tu vas faire trois sports dans une même activité. Et tu vas donc vouloir démarrer avec la natation et au bout de tes 750 mètres de nage, tu vas vouloir basculer vers le vélo de route. Sur les montres les plus poches, tu vas carrément devoir arrêter ton activité et en démarrer une nouvelle. Au centre, c'est mon fonctionnement favori parce qu'il nécessite aucune préparation. Donc, une fois que tu as terminé ta nage, tu appuies sur un bouton, il y a la liste de tous les sports disponibles de ta montre qui apparaît et tu vas chercher ton vélo de route et voilà, c'est parti, tu peux aller faire tes 20 km de vélo. Pour les montres les plus complètes, tu pourras présélectionner les sports que tu vas faire dans ton activité et à la fin de chaque étape, elle pourra même calculer le temps de préparation entre chaque sport. Ça te donne le confort d'avoir toutes les données que tu veux à ton poignet pendant chacun des sports de ton activité et le luxe d'avoir un super beau graphique à la fin. Si je m'apprêtais à faire un triathlon ou un Ironman, je choisirais très certainement l'option de préprogrammer mes activités. Mais tout de même, dans la vie de tous les jours, j'aime bien l'option de pouvoir basculer d'un sport à l'autre sans rien avoir à préparer avant. Un autre point que l'on ne devrait plus avoir à parler aujourd'hui, dans cette ère où les téléphones, les télévisions et les moniteurs n'ont pratiquement plus aucun contour, c'est la taille de l'écran. De nos jours, les écrans doivent occuper la quasi-totalité de la surface et les montres ne devraient pas en faire exception. Presque. J'aime aussi les montres classiques. Alors, dans ma tête, une montre doit avoir un beau contour, préférablement dans un
beau métal comme du titane brossé ou un autre beau matériel prestigieux. Mais bon, peu importe. À l'intérieur de cette fameuse lunette, l'écran doit occuper la plus grande espace possible. Je vois encore des aberrations dans les montres qui sont sorties dans les dernières années. Je trouve ça ridicule de se ramasser avec une super grosse montre, mais un tout petit écran. C'en est à un point tel que j'ai vu des montres de taille moyenne avec un plus grand écran que d'autres montres de format large. La seule excuse que je peux voir à ce que l'écran n'occupe pas le reste de la surface, c'est pour laisser de l'espace à un panneau solaire, comme on le peut voir dans ce cas-ci. Sinon, il commencerait à être temps d'évoluer. Et oui! Un panneau solaire, c'est mon 17e point à voir dans cette vidéo. Certaines montres sont munies de cette technologie et je trouve ça absolument fantastique. Moins j'ai besoin de charger ma montre, plus je l'aime. Attention, dans le cas d'une montre sportive, ce capteur solaire ne te permettra pas, du moins pas avec les technologies d'aujourd'hui, d'avoir une charge infinie. Non, c'est uniquement pour prolonger ta charge. Dans un mode montre intelligente, ça peut augmenter considérablement ta charge de quelques jours si tu es régulièrement exposé au soleil, et en activité, ça peut te faire gagner quelques heures. Enfin, si ta batterie est complètement morte, tu peux la recharger tranquillement à la lumière du soleil. Ça fonctionne vraiment, je l'ai testé. J'ai remarqué par contre que sur certains modèles de montres, tout particulièrement chez Garmin, ouais, que Garmin est actuellement la seule compagnie à faire des montres de sport avec une charge solaire, mais peu importe, lorsque l'option solaire est disponible, il vaut mieux la prendre, sinon on se ramasse avec un espace vide inutile, comme je l'ai mentionné plus tôt. Ils ont visiblement pris le chemin de la paresse en laissant un espace inutilisé plutôt que d'installer un plus gros écran qui compliquerait sûrement les choses sur la chaîne de montage. Mais peu importe, si tu es quelqu'un qui aime s'aventurer sur des expéditions de plusieurs jours ou semaines, la charge solaire est une option qui devrait t'intéresser. Et en parlant de charge, on peut vraiment pas passer à côté du sujet, la batterie, la durée de charge. Personnellement, je recherche toujours la montre qui me donne la charge la plus longue. C'est pas compliqué, ma montre est toujours à mon poignet. Et c'était pas comme ça avant. Dans le temps de mes premières montres Suunto, je la portais seulement pour faire mes activités physiques ou pour sortir. Mais maintenant que ma montre calcule un paquet de trucs, comme mes pulsations cardiaques, mes respirations par minute, mon nombre de pas, ma qualité de sommeil, en plus qu'elle me donne la météo, l'heure du coucher de soleil, et que c'est en plus ma lampe de poche, non, je veux plus m'en passer, c'est en quelque sorte une extension de moi-même. Donc, je veux l'enlever le moins souvent possible. Avoir une montre qui est capable d'avoir une charge qui s'étend sur plus d'une semaine, c'est absolument génial. Quand je vois une montre qui t'offre une charge de 36 heures et qui calcule ta qualité de sommeil, je peux pas m'empêcher de penser que ça servira jamais. Si elle te donne 36 heures de charge, tu vas la recharger à coup sûr à tous les jours parce qu'elle passera pas la deuxième journée. Donc tu risques de la recharger de nuit parce que de jour tu t'en sers. Donc elle calculera jamais ton sommeil. Une charge plus longue, c'est un essentiel pour quelqu'un qui va faire des expéditions de plusieurs jours ou semaines, et c'est tout un agrément de ne pas être constamment en train de te demander quand est-ce que tu vas l'enlever pour la recharger. Bon, c'est certain qu'une charge de très longue durée, ça vient avec quelques options indissociables. Ça doit être une grosse montre. Ben oui, grosse batterie égale grosse montre. Ça veut aussi dire d'avoir un écran moins agréable à regarder que d'autres montres. Parce que oui, un écran AMOLED, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Tu vas donc avoir un écran MIP comme on a vu plus tôt. Pas désagréable à regarder du tout, juste moins visible que l'AMOLED. Quoi qu'il y a des façons d'utiliser un écran AMOLED pour qu'elle consomme moins d'énergie. Mais bon, t'as compris où je voulais en venir. Rendu là, c'est aussi une question de goût. Pose-toi juste la question. Regarde la durée de charge estimée de la montre que tu souhaites te procurer et demande-toi si tu es confortable avec ça. Ah! Avant de passer au point suivant, une autre chose que j'apprécie énormément, c'est quand ma montre m'indique le temps de charge restant. Parce qu'au fond, quand je pars faire un tour de vélo et que je me rends compte que il me reste 6% de batterie, je me demande, c'est-tu assez? Je préfère quand ma montre me dit, il te reste 3 heures pour faire ton activité. Garmin, sur ce point, est encore absolument génial.
J'ai toujours un indicateur pour me montrer le temps qui me reste selon l'utilisation que j'en fais. Par exemple, en ce moment, du haut de mes 92 % de batterie, il me reste 27 jours de charge en mode montre intelligente. Et si je démarre une activité comme du vélo, je vais pouvoir voir assez rapidement qu'il me reste 80 heures de charge. Je peux constamment voir le temps qui me reste selon ce que je suis en train de faire avec. Comme si, par exemple, j'allume la lampe de poche, bien là, je vais voir qu'il me reste 4 heures de charge, toujours en mode GPS. Si je sors du mode GPS, il me reste 5 heures. Et là, si je la rééteins, il me reste 27 jours. Donc, si je pars faire une activité en mode GPS, en écoutant de la musique avec ma lampe de poche allumée, je dois juger si je dois sacrifier quelque chose pour terminer mon activité. Donc, avoir un indicateur de pourcentage de charge, c'est bien, mais quand ta montre peut te traduire ça en temps restant, c'est beaucoup mieux. Tiens! On vient de parler de musique, alors allons-y un peu plus en détail, car la plupart des montres aujourd'hui ont des fonctions musicales. Dans certains cas, c'est uniquement pour contrôler la musique de ton téléphone, comme une sorte de télécommande. Mais dans d'autres cas, c'est littéralement de stocker de la musique dans sa mémoire interne pour te la faire jouer sur tes écouteurs Bluetooth pendant tes activités. On vit vraiment dans le futur. Mais parlant de cette option, attention, c'est vraiment génial, oui, mais ça vient avec un coût énergétique plutôt lourd. Ça vide ta batterie à une vitesse éclair. Mais oui, si ton but c'est d'aller courir sans ton téléphone en écoutant ta musique, je te comprends tellement. C'est tellement pas agréable de traîner quoi que ce soit quand tu cours. Mais sache que ça a un coût énergétique tellement élevé que tu pourrais, par exemple, si tu cours un peu à tous les jours, devoir la recharger à tous les 3 jours plutôt qu'aux 2 semaines. Sois-en juste conscient. Personnellement, c'est une option que j'utilise pas vraiment. Je cours pas si souvent et quand je cours, c'est souvent en nature et dans ce cas-là, je préfère écouter la nature. L'option que j'utilise le plus, c'est à vélo. Je fais jouer la musique sur mon téléphone et je contrôle la musique à partir de ma montre. Je peux donc mettre sur pause rapidement quand j'arrive à une intersection et que je veux pas déranger les autres personnes qui attendent avec ma musique. Et ça me permet aussi de pouvoir jouer avec le volume et aussi de passer à la chanson suivante. Mais bon, que tu écoutes la musique directement à partir de ta montre ou à partir de ton téléphone, ça va se faire exactement de la même façon. C'est une page de contrôle que tu vas retrouver sur ta montre. Et ce qui est très important par rapport à cette fameuse page de contrôle, c'est qu'elle soit toujours accessible très rapidement et toujours de la même manière. Sur certaines montres, ce sera une page dans ton activité qui risque d'être de trop lors de certaines de tes sorties parce que tu ne seras pas en train d'écouter de la musique ou qui sera juste trop longue à aller chercher parce que tu t'es mis 5 pages de données. Ou encore pire, ça peut être caché dans un sous-menu lorsque tu n'es pas en train de faire une activité. Oh! J'aime ça que ça soit accessible rapidement et toujours à partir du même bouton. Comme par exemple, sur ma montre, je maintiens le bouton en bas à gauche, et voilà, je suis dans mon application musique. C'est comme ça, peu importe où est-ce que je suis dans la montre. Après ça, je peux partir ma musique, passer à la suivante, ou appuyer sur le menu pour accéder à plus d'options, comme le volume, revenir à la précédente, ce genre de trucs-là. Donc, peu importe où est-ce que je suis dans ma montre, je suis toujours à 2 clics, au maximum, de pouvoir mettre ma musique en pause, ou la faire jouer. Si c'est trop compliqué à utiliser, tu t'en serviras pas. Fais aussi tes recherches. Certaines montres qui se vantent de pouvoir jouer de la musique dans tes écouteurs Bluetooth, mais, surprise, la seule façon de pouvoir importer de la musique dedans, c'est d'envoyer des MP3 dedans. Je sais pas qui a encore des MP3 dans son ordinateur aujourd'hui et qui tient une liste de lecture à jour. Je sais pas. Peut-être quand même encore une certaine quantité de gens, encore les vinyles qui reviennent à la mode, c'est ça. Mais bon, sache que certaines montres peuvent se synchroniser à ton compte Spotify et mettre tes listes de lecture à jour. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Point suivant, les champs de données. Mais qu'est-ce que c'est qu'un champ de données? Les champs de données, c'est les informations que tu vas être capable de voir sur ta montre. Et ça, c'est super intéressant. Assure-toi d'avoir une montre qui te permet d'avoir à l'écran toutes les informations que tu veux pendant une activité sportive.
Je parle ici de vitesse, d'allure, de vitesse moyenne, de vitesse verticale, de calories brûlées, de distance parcourue ou même de distance restante, d'élévation, de pulsation cardiaque, la cadence, le chronomètre depuis le début de l'activité et celui depuis le début du tour, la température, la direction, le nombre de pas, le pourcentage d'oxygène, ta puissance en watts et même l'heure. Mieux vaut avoir trop de choix de données que pas assez. Il y a même des montres que juste pour tes pulsations cardiaques peuvent te l'afficher de tout plein de façons différentes. Tes pulsations, tout simplement. Tes pulsations dans un graphique de jauge d'un niveau de 1 à 5, plus communément appelé la zone. Tes pulsations sur une charte qui te montre maintenant comparée aux minutes précédentes. Tes pulsations moyennes. Ou plutôt que de te les afficher en pulsations, elles pourraient aussi te l'afficher en pourcentage de ce que tu es capable d'atteindre. Comme si, par exemple, ton maximum est de 200 et que tu es à 150, tu es à 75%. Ou encore en pourcentage en considérant le plus bas que tu peux aller. Donc, si ton minimum est de 50 et maximum de 200, en fait, à 150, tu serais plutôt à 67%. Elle pourrait aussi t'indiquer le temps que tu as passé depuis le début de l'activité dans une zone, ou elle pourrait aussi t'indiquer toutes les précédentes informations pour le tour de piste actuel. Et peut-être même plus encore. Et là, on a uniquement parlé de pulsations cardiaques. Imagine maintenant toutes ces variations de données pour tous les champs qu'on a vus un peu plus tôt, comme la vitesse, la distance, l'élévation... Hein? T'as compris? J'ai pas besoin de toutes les renommer. Bref, t'as des montres qui se limitent à quelques informations disponibles, et même pire, j'ai déjà testé une montre qui était capable de calculer la vitesse en km/h, mais qu'en mode marche, elle pouvait que me le donner en allure. Mais t'es qui pour décider ce que je vais voir dans mon activité? Mais je viens de me rendre compte que c'est maintenant corrigé. Merci, mais je réalise quand même qu'il y a plusieurs données qui sont disponibles dans certains sports qui ne sont pas dans l'autre. Je les mettrai juste toutes disponibles et je laisserai à l'utilisateur le choix de le mettre ou non. De retour à la vidéo. Donc, encore une fois, à moins que tu t'en foutes complètement et que la seule chose qui t'intéresse, c'est de savoir ta vitesse et ta distance parcourue, assure-toi d'acheter une montre qui est capable de te donner toutes les informations que tu as besoin. C'est beaucoup mieux d'en avoir trop que pas assez. Une autre chose que je trouve super important par rapport au champ de données, c'est la quantité d'informations que tu peux faire afficher sur une page. J'aime les montres qui te donnent le plus de liberté à ce sujet. Certains voudront avoir une seule énorme donnée parce que leurs yeux ne sont plus ce qu'ils ont déjà été. D'autres en voudront un peu plus, mais pas trop parce qu'il faut que ça reste facile à lire en mouvement. Et dans des sports plus relax comme la marche, je vais peut-être vouloir mettre le plus d'informations possible pour ne jamais avoir à changer de page. Je lève le bras et j'ai accès à l'information que je veux, plutôt que de devoir appuyer sur un bouton pour changer de page. Sur cette montre-ci, je peux avoir jusqu'à 9 champs de données en même temps, et certains champs peuvent même se diviser, donc ça peut être encore plus. Je peux aussi me construire une page sur laquelle je vois des informations en gros plan et d'autres plus petits. Je le fais souvent pour afficher par exemple ma vitesse en gros et juste à côté ma vitesse moyenne en petit. Tu vois le genre? Une autre fonction que j'adore et qui, encore une fois, est disponible que chez Garmin pour le moment, c'est le AutoClimb ou la montée automatique. C'est une fonction qui te permet de changer automatiquement de page quand tu es en train de gravir une côte. Les données que je veux voir alors que je suis en train de grimper sont bien différentes que celles que je veux alors que je suis sur le plan. Et je veux voir ma vitesse verticale, mon élévation, mon gain en élévation. Et pendant que je pédale en montant, la dernière chose que je veux, c'est d'appuyer sur un bouton pour voir ces données. Chez Garmin, ça se fait automatiquement si tu as pris le temps de bien le programmer sur ton mode de sport. Dernier point par rapport au champ de données, j'adore quand ma montre me laisse la liberté de personnaliser l'interface de ma page d'accueil. En fait, sur pratiquement toutes les montres, on a un choix par rapport au type d'interface que l'on veut voir. Avec des aiguilles ou avec des chiffres et avec quelques dispositions différentes. Mais très peu de montres te donnent une liberté tant qu'aux informations que tu vois. Si tu prends cette interface, tu vas voir ton élévation actuelle et ton nombre de pas. Pourquoi? Laisse-moi choisir! Sur ma Garmin, encore une fois, et désolé, j'essaie de rester le plus neutre possible, mais j'ai réalisé en écrivant la vidéo que plusieurs des points que je m'étais notés étaient uniquement disponibles ou bien développés que chez Garmin.
comme la personnalisation de la page d'accueil. Donc, sur ma Garmin Tactix, comme plusieurs montres chez Garmin, j'ai choisi parmi une plage de 22 données disponibles que j'allais avoir à ma disposition en tout temps, en dehors des activités sportives, les 9 données suivantes. La date et l'heure, mes pulsations cardiaques et le cycle du soleil sur un graphique, l'altitude actuelle, le temps de charge, la température actuelle, les maximums et minimums de la journée et mon nombre de pas. Sur cette page-là, j'ai pu choisir l'interface parmi une panoplie d'autres, les données que je voulais afficher ainsi que leur disposition. C'est vraiment très personnalisé. La seule donnée qui n'est pas possible de changer, et c'est dommage parce que je suis certain qu'il y en a qui le feraient, c'est la plus grosse au centre, l'heure. Ce qui nous amène au point suivant, et c'est un des points que je trouve les plus importants, l'indépendance de la montre. Et encore une fois, de toutes les montres que j'ai testées, uniquement celles de Garmin sont totalement indépendantes. Mais qu'est-ce que c'est que l'indépendance de la montre? Eh bien, c'est à quel point ta montre a besoin d'un appareil tierce comme ton téléphone ou un ordinateur pour fonctionner. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas aller courir avec ta montre sans ton téléphone. Non, non. Quoique ça me fait penser que certaines montres ont besoin d'un téléphone à ce point-là parce qu'elles n'ont pas de GPS intégré. Fais attention à ça, mais je pense que si tu restes dans les 4 grandes marques, soit Garmin, Coros, Polar et Suunto, je suis pas mal sûr qu'il n'existe plus de modèles qui sont dépendants à ce point-là d'un téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir besoin de ton téléphone avec l'application pour faire la plupart des modifications sur ta montre. Mais le danger avec ça, c'est que le bon fonctionnement de ta montre et de la plupart de ses fonctions est dépendante de la santé de la compagnie qui les fabrique et de son bon vouloir à les supporter pendant le nombre d'années qu'ils le veulent bien. Je peux pas m'empêcher de penser à Suunto ici. Pendant un moment, ma bonne vieille Suunto Ambit 2 a été en péril. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené dans le merveilleux monde de Garmin. Elle se synchronisait sur MoveScout, une plateforme web de Suunto à laquelle elle pouvait se connecter par le biais d'un fil USB que je connectais à mon ordinateur et le petit logiciel MoveLink qui s'occupait de faire le lien entre les deux. Il y a de ça quelques années, Suunto, en voyant une bonne partie de ses clients se déplacer vers leur nouvelle application mobile, Suunto App, pour économiser des coûts, ils ont décidé de tout simplement tirer la plug sur MoveScout. En français international, tirer la plug, ça veut dire fermer. On dit tirer la plug comme littéralement... Alors, lorsque ça a été annoncé, ma montre, comme celle de milliers d'autres personnes, était destinée à devenir une belle coquille vide, tout simplement parce que la compagnie essayait d'éviter d'injecter de l'argent dans une plateforme de moins en moins populaire, mais pourtant utilisée par ses tout premiers utilisateurs. Naturellement, plusieurs personnes, moi inclus, ont chialé. Alors, Suunto a développé une solution. Elle n'est pas parfaite, mais ça va. Mais tout ça pour te démontrer à quel point c'est dangereux d'avoir un outil qui est à un tel point dépendant d'une application. Pour ma Garmin et la plupart de leurs montres, oui, on peut faire des modifications à partir de l'application, mais c'est tout nouveau et c'est seulement facultatif. Si on recule d'une génération, on pouvait uniquement faire les modifications à partir de la montre. Juste pour être clair, on peut toujours le faire. C'est juste une nouveauté qu'on puisse en plus le faire à partir de leur application sur le téléphone. Mais quand tu veux éditer la page d'accueil, les unités de mesure, tes champs de données, ton type de connexion satellitaire, tes boutons raccourcis, télécharger et mettre à jour tes cartes, ta gestion de consommation, changer la langue, les paramètres de rétroéclairage ou même réinitialiser la montre dans ses valeurs d'usine, tu peux tout faire ça directement à partir de la montre. Si Garmin fait faillite demain matin, la seule chose que j'aurais réellement pu accès, c'est la météo. À part ça, ma montre va continuer de fonctionner. Bon, c'est certain qu'il y a certaines choses qui vont fonctionner différemment et que sa facilité d'utilisation va être touchée, mais sa connexion USB vers un ordinateur, c'est un gros plus vers la liberté. C'est certain que ça fonctionne mieux avec l'app,
Mais ce qui est important, c'est que ma montre à 2000$ ne devienne pas une coquille vide juste parce que la compagnie fait faillite ou décide de ne plus la supporter. Comme ma montre est indépendante, ça peut pas m'arriver. Donc voilà, point super important pour moi par principe et parce que ça m'est déjà arrivé de dépenser 600$ dans une montre et que du jour au lendemain, je reçois un message du fabricant, pas trop clair et malaisant, me disant que ma montre ne fonctionnera plus bientôt parce qu'elle n'est plus supportée. Une montre indépendante, c'est aussi une montre résistante à la désuétude programmée. Mais outre le fait de te garantir que ton produit va fonctionner super longtemps, c'est aussi super agréable d'avoir une montre indépendante parce que tu peux faire toutes les modifications à même ta montre. Ça veut dire que pendant que tu es dans la piscine, tu peux éditer la longueur de ta piscine ou encore t'ajouter une donnée parce que tu viens de réaliser que ça serait le fun d'avoir la distance que tu as parcourue dans la piscine depuis la dernière pause. Garmin, c'est le seul fabricant de montres qui peut t'offrir ça. Chez Coros, tu peux le faire à partir de ton téléphone avec l'application. Mais malheureusement, comme tu es à la piscine, tu as laissé ton téléphone dans le vestiaire. Alors finalement, c'est pas possible. Et chez Polar et Suunto, tu peux aussi le faire à partir de ton téléphone, si tu ne l'as pas laissé dans le casier. Mais pas pendant une activité sportive. Tu sais, au moment où tu te rends compte que tu aimerais ça avoir une donnée, tu peux pas la changer à moins de mettre fin à l'activité. Donc, tu devrais mettre fin à ton activité, aller dans ton casier, chercher ton téléphone, modifier l'information que tu vas avoir à l'écran, synchroniser avec la montre pour qu'elle capte la nouvelle modification et repartir ton activité qui, au final, va avoir été séparée en deux. Donc, tu vas probablement remettre le projet à plus tard, à la fin de ton activité. Mais rendu là, tu vas sûrement l'avoir oublié. Alors, tu risques d'endurer ta montre comme ça pendant un bon bout de temps. Vraiment, c'est pendant que tu utilises ta montre que tu es le mieux placé pour savoir quelles données tu veux faire afficher. Et on est déjà rendu au 22e point de cette vidéo. Et on va maintenant parler de l'altimètre. Mais qu'est-ce que c'est que ça qu'un altimètre? C'est l'outil qui te permet de déterminer à quelle altitude tu te trouves. La plupart des montres de sport en ont tous un, mais tous n'en ont pas un bon. Il existe trois façons pour une montre de déterminer ton altitude. La première, c'est par triangulation GPS. Mais pour avoir testé quelques montres qui utilisent cet outil comme unique façon de déterminer ton altitude, j'ai remarqué que ça ne fait pas très bien le travail. Je veux dire que ça fonctionne, mais c'est pas très précis. Par exemple, si tu pars du pied de la montagne et tu te rends jusqu'au sommet et que tu redescends par le même chemin, c'est possible qu'à la fin, ta montre te dise que tu as gravi 900 mètres, mais que tu en as descendu seulement 812. Et l'autre méthode, beaucoup plus fiable, c'est le baromètre. Et qu'est-ce que c'est qu'un baromètre? C'est un outil qui te permet de déceler la pression atmosphérique. OK, mais à quoi ça sert dans une montre? Eh bien, plus tu montes en altitude, plus la pression atmosphérique baisse. Et ça fonctionne comme ça partout dans le monde. Alors, ta montre est capable de déceler ta variation en altitude au mètre près seulement grâce à la pression atmosphérique. Maintenant, sur la même montagne, on devrait avoir notre ascension de 900 mètres et pour la descente, une variation de 0 à 5 mètres. Pourquoi une variation? Parce que c'est pas parfait non plus. La pression atmosphérique change un peu tout au long de la journée. Alors, ça peut en quelque sorte fausser un peu tes données. Les meilleures montres sont donc équipées en plus d'une carte DEM. DEM pour Digital Elevation Model. Donc, une carte avec les données d'élévation de chaque coordonnée terrestre. Au début de l'activité, la montre va donc utiliser le système GPS pour te géolocaliser, longitude, altitude et élévation. Et c'est ensuite ton baromètre qui va faire le travail de l'élévation avec une petite recalibration automatique de temps en temps. Avec tout ça, tu devras avoir une précision quasi parfaite. Pourquoi quasi? Parce que rien de parfait dans la vie.
Attention, on retrouve généralement les baromètres sur le côté de la montre pour qu'ils soient à l'air libre. Sur certaines montres, on les retrouve en dessous et ça peut dangereusement fausser les données de beaucoup. Le truc, c'est que quand c'est sous la montre, tu risques de te mettre à suer parce que c'est une montre de sport après tout. Et si ta sueur bouche l'entrée du baromètre, ça va tout fausser. On retrouve le même phénomène quand tu vas te baigner. On s'entend que la pression est très différente sous l'eau. Eh bien, le baromètre en sera très affecté jusqu'à ce qu'il sèche. Inquiète-toi pas, tu vas pas le briser, mais aller nager dans le lac au beau milieu de ta randonnée en montagne risque clairement de fausser tes données. Enfin, si c'est quelque chose qui t'intéresse, la plupart des montres munies d'un baromètre sont aussi munies d'une alerte de tempête. C'est que c'est directement lié. C'est pas compliqué, une chute de pression est signal d'une tempête à venir. Alors c'est souvent une option que tu peux activer ou désactiver à ta guise. Les meilleures montres vont te permettre d'ajuster sa sensibilité. Si elle est trop élevée, tu vas souvent avoir des fausses alertes et finir par ignorer ses avertissements. Même pour la fois où la grosse tempête s'en vient. Fait vécu. Je l'ai personnellement mis au minimum, comme ça elle sonne uniquement quand quelque chose de gros s'en vient, c'est-à-dire pratiquement jamais. Enfin bref, si les données d'élévation sont importantes pour toi, assure-toi d'avoir au minimum un baromètre et si c'est vraiment très important, eh bien va te chercher une montre avec une carte DEM intégrée. Ah, fait intéressant, certaines montres peuvent aussi aller chercher les données DEM en synchronisation avec ton téléphone. Mais tu sais ce que je pense de l'importance d'avoir une montre indépendante. Une question qu'on me pose régulièrement par rapport aux montres, c'est à quel point est-ce que c'est résistant à l'eau? Et bon, ça varie d'une montre à l'autre. Alors si tu veux savoir, tu dois te rendre sur le site web du fabricant, retrouve le modèle de ta montre et rentre-toi dans la section spec. À quelque part, tu vas retrouver quelque chose qui s'appelle ATM. ATM est une charte qui est utilisée dans le domaine des montres mondialement et ça désigne sa résistance à l'eau. ATM, c'est pas un acronyme, c'est simplement le diminutif de atmosphère. Plus le chiffre est haut, plus ta montre est résistante. Et je te recommande au minimum un grade 5 pour la vie de tous les jours. On va voir en détail chacun des grades et je prends la définition directement du site web de Garmin. À 1 ATM, ta montre peut résister à l'équivalent d'une pression de 10 mètres sous l'eau. Dans la vie de tous les jours, ça veut dire qu'elle résiste à la pluie, la neige, la douche et un léger splash. En gros, va pas te baigner avec. Une pression équivalente à 10 mètres sous l'eau, ça veut pas dire que tu peux l'amener jusque-là. Fais juste penser à la pression que tu subis quand tu plonges dans l'eau. À ton point d'entrée, la pression est beaucoup plus grande qu'à 10 mètres de profond. À 3 ATM, pour une pression équivalente à 30 mètres, on dit que tu peux maintenant sauter dans l'eau. Ça veut quand même pas dire que c'est une bonne idée d'aller nager avec. À 5 ATM, on a maintenant une résistance à une pression équivalente à 50 mètres de profondeur sous l'eau. Et là, ça c'est ce que je te recommandais plus tôt, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. T'as pu te casser la tête dans la vie de tous les jours, ta montre peut te suivre pas mal partout. Tu peux littéralement faire de la natation avec ta montre et faire de la plongée sous-marine ou de l'apnée. Et là, je me rends compte que ce que je disais peut peut-être porter à confusion. Attention, quand je parle de plongée, je parle pas du truc de quand tu mets un scaphandre avec une bouteille d'oxygène pour descendre super profond. Je parle de plongée de surface, dans des eaux peu profondes. Par contre, fais juste attention à tes entrées dans l'eau. Comme je le disais plus tôt, tu peux atteindre une pression équivalente à plus de 50 mètres de profond à la surface de l'eau quand tu y pénètres. Je pense par exemple à si tu vas faire du canyoning, du jet ski ou plonger à partir du 5 mètres. Pour ce genre d'activité, tu voudras plutôt une montre avec un grade ATM 10. Avec ça, tu te casses vraiment pas la tête et c'est ce que j'ai sur ma montre favorite. En gros, tu peux faire pas mal ce que tu veux sur l'eau, mis à part faire de la plongée à plus de 100 mètres de profond. Petite précision, c'est pas une bonne idée non plus d'aller faire de la plongée jusqu'à 100 mètres avec une montre avec un grade de 10 ATM. Tu peux faire de la plongée, mais c'est pas fait pour aller jusqu'à 100 mètres. Si tu veux réellement te rendre jusqu'à 100 mètres de profond, il y a des montres de plongée. Et ceux-là, quand tu vas aller regarder sur le site, ça va t'indiquer plongée et jusqu'à quelle profondeur tu peux te rendre. Eux ont réellement été faits pour faire de la plongée. Donc, encore une fois,
Tu peux faire de la plongée, mais tu peux pas aller super profond, et c'est pas parce que ça dit que ça résiste à une pression de 100 mètres que tu peux te rendre jusqu'à 100 mètres. Voilà. Je connais pas grand-chose en natation, mais il me semble que quand je vais dans le fond du 4 mètres à la piscine, je ressens déjà beaucoup de pression. Alors, ça doit pas être génial non plus pour le corps humain à 100 mètres de profond. À moins peut-être que tu t'appelles Hébert Nitsch. Si tu ne le connais pas, c'est un Autrichien qui détient le record de plongée libre à 214 mètres. C'est probablement très peu important à regarder pour la plupart des gens, mais il y a un autre point de résistance à vérifier dans certains cas, et c'est la résistance à la température. Parce que chaque appareil électronique a ses limites en termes de résistance au chaud et au froid. Bon, à moins que tu sois un explorateur de volcans ou que tu passes la majorité de ta vie dans un sauna, la chaleur ne devrait pas être un problème. Mais pour le froid, vérifie. Pour ma montre, c'est indiqué que je peux l'utiliser entre moins 20 degrés Celsius et plus 45, alors que lorsqu'il vient le temps de la recharger, ça doit se faire entre 0 et 45. Bon, en tant que Canadien, je l'ai testé à bien plus froid que moins 20 et ça fonctionne très bien quand même. Mais il ne faut pas oublier que la montre était à mon poignet qui dégageait de la chaleur, en plus d'être partiellement à l'abri avec mon manteau. C'est certain qu'en cas de froid extrême, il est toujours possible de la ranger totalement sous son manteau. Techniquement, il ne devrait pas faire moins 20 dans ce coin-là. Mais c'est pas très pratique pour naviguer, lire des données. Fais juste penser au sport que tu veux faire avec ta montre. L'entreposage. J'en reviens pas à chaque fois que je parle de ce point-là dans mes critiques de montre, mais il y a un truc tout simple que certaines montres ne font pas, et c'est vraiment stupide, et c'est de s'éteindre. Si t'es la personne comme moi qui porte ta montre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu t'en fous sûrement un peu. Pour le coureur du dimanche qui préfère avoir le poignet libre à l'air le restant de la semaine ou juste porter sa Seiko le reste du temps, c'est un peu déplorable que quand tu ranges ta montre sur le comptoir ou dans un tiroir, qu'elle ne s'éteigne pas. C'est-à-dire qu'en attendant ta prochaine sortie, ta montre va se décharger tranquillement. Et peut-être qu'au moment où tu vas en avoir besoin, eh bien, sa batterie va être vide. Et tu vas aller faire ta sortie sans. Si tu te commandes une montre et que la première chose que tu dois faire avant même de pouvoir l'utiliser, c'est de la charger, tu viens d'acheter une de ces montres. Il n'y a tellement aucune façon de les fermer que même le manufacturier n'est pas capable de le faire. Le temps qu'elle passe entre l'usine, le distributeur, le détaillant et le pied de ta porte, oui, elle arrive avec une belle batterie vide. À date, j'ai seulement vécu ça chez Suunto et Polar, mais Polar a rectifié le tir sur la montre que j'avais achetée avec une mise à jour. La qualité du suivi de sommeil varie vraiment d'une montre à l'autre, mais aussi d'un utilisateur à l'autre. Certaines montres ne vont que monitorer ta durée de sommeil, d'autres vont en faire beaucoup plus en te disant à quelle période de la nuit tu étais en sommeil profond, léger, paradoxal ou éveillé. C'est vraiment surprenant tout ce que ça peut faire. Mais toutes les montres que j'ai testées m'ont tout de même donné des doutes tant qu'à leur capacité d'afficher des données véridiques. Le truc, c'est que la première chose que je fais en me levant, après un petit tour aux toilettes et un brossage de dents, c'est de répondre à mes commentaires. Parfois, même ma montre favorite a de la difficulté à déceler ce qui se passe vraiment lors de cette période de la journée. Bah oui! Parfois, elle perçoit un sommeil léger alors que je réponds à mes commentaires. La montre que j'ai le plus aimée pour surveiller mon sommeil, c'est la Polar Gritix Pro. C'est elle qui me donnait le plus de détails et j'ai l'impression qu'elle était plus juste dans ses données. Ses graphiques sont aussi toujours très intéressants à regarder. Et tant qu'à parler de sommeil, parlons du mode nuit des montres.
Parce que quand tu portes ta montre au poignet pour dormir, la dernière chose que tu veux, c'est qu'elle te réveille au beau milieu de la nuit en vibrant parce que Joe Blow a décidé de t'envoyer sur Messenger la dernière niaiserie qu'il a trouvée sur TikTok. Mais encore aujourd'hui, il y a certaines compagnies qui, malgré le fait qu'ils vantent dans leur pitch de vente que leur montre est capable de monitorer ton sommeil, qui sont pas foutus de mettre un simple mode « ne pas déranger » automatique ou au moins une fonction qui t'aide à dormir. Ou encore pire, j'ai testé une montre qui, alors même qu'elle était parfaitement consciente que j'étais en train de dormir, ben oui, parce qu'elle était en train de monitorer mon sommeil, elle n'était pas foutue de désactiver le rétroéclairage automatique. Alors, imagine, tu es en train de dormir et puis là, tu viens mettre ta main à côté de ta face, ça fait un mouvement et ça te fait une belle grosse lumière dans les yeux. Vraiment, sérieux, tu peux pas nuire à mon sommeil quand ta job, c'est de monitorer mon sommeil. Pour être clair, il n'y a aucune montre qui m'a jamais réveillé. Mais il y en a qui le font beaucoup moins souvent que d'autres. Sur ma Garmin, le défaut que j'ai remarqué, c'est que la montre ignore l'activation du mode « ne pas déranger » cédulé à une heure précise lorsque je suis en activité à cette heure en question. Donc, parfois, eh bien, je reçois une notification dans la nuit. Par contre, elle se rattrape sur d'autres points avec son mode nuit. Donc, quand elle détecte que je dors, elle fait tout plein de petits trucs comme, par exemple, le rétroéclairage va être plus faible que le jour. Donc, si je veux regarder l'heure dans la nuit, je ne serai pas ébloui. Ça va être un tout petit éclairage très faible. Et elle fait plein d'autres petits trucs comme ça qui font juste du sens. Sur la plupart des autres montres, pour vrai, c'est juste lamentable si tu veux dormir avec. Il n'y a pas grand-chose qui a été pensé pour ne pas nuire à ton sommeil, à moins que tu veuilles aller changer 2 à 4 paramètres manuellement à tous les soirs et matins. Certaines ont un mode « Do not disturb », mais c'est à toi de penser à manuellement aller l'activer et le désactiver à tous les soirs et matins. Le problème de rétroéclairage que je te parlais tantôt, je l'ai vu sur un paquet de montres. Vraiment, si c'est important pour toi de monitorer ton sommeil, assure-toi de prendre une montre qui n'y nuira pas. Et comment parler de qualité de sommeil? Sans parler de ce qui vient le briser. Le réveil matin. Une montre qui n'en a pas ne devrait pas s'appeler une montre. Mais heureusement, toutes les montres que j'ai testées en avaient un. Mais disons que certaines sont vraiment mieux que d'autres. À mon avis, un bon réveil matin sur une montre doit avoir les fonctions suivantes. Avoir la possibilité de uniquement vibrer. Elle est à ton poignet. Alors, à quoi bon sonner? En plus, si tu dors pas seul, ça réveillera pas ta compagne ou tes cochambreurs. Et encore mieux, il y a que Polar qui le fait, mais cette montre-ci a la capacité de commencer à vibrer doucement, de vibrer de plus en plus fort, et si jamais c'est pas assez, elle va commencer à, en plus, sonner de plus en plus fort. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. La montre doit aussi te laisser la possibilité de sonner une seule fois ou de la programmer pour le ou les jours de la semaine que tu souhaites. Certaines montres, comme cette Polar, vont uniquement te donner la possibilité de sonner à tous les jours ou du lundi au vendredi. Pourquoi? Je veux un réveil programmé à tous les mercredis et vendredis à 5h45 pour aller à la piscine. Sur certaines montres, c'est juste pas possible, je dois y penser à chaque soir avant de me coucher. C'est quand même frustrant pour une merveille technologique qui est capable de dire précisément où est-ce que tu es sur la Terre, à quelle élévation et de capter tes pulsations cardiaques sous ta peau. Maintenant que tu es réveillé, est-ce que tu veux d'une montre qui te motive à bouger? Personnellement, le simple fait que toutes mes activités soient enregistrées sur un calendrier que je suis capable de consulter par la suite pour voir un cumulatif de tout ce que j'ai fait, c'est assez pour me motiver et j'ai besoin de rien d'autre.
En fait, je veux pas d'autre chose. Mais si d'avoir quelque chose à ton poignet qui te félicite à toutes les fois que tu as marché 200 pas ou que tu as gravi un étage, si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que c'est quelque chose qui existe et il y a des montres qui sont spécialisées là-dedans. Quoique ça me fait penser, malgré le fait que normalement j'aime pas ce type d'alerte, il y a une montre qui le faisait d'une façon qui me plaisait bien et c'est encore la Polar Critics Pro. À toutes les 55 minutes de totale sédentarité, donc quand je travaille à mon bureau ou pendant que j'écoute un film, la montre m'indique alors que j'ai 5 minutes pour me mettre à l'action. Normalement, je me foutrais éperdument de ce genre d'alerte, mais là, le truc avec cette montre, c'est que si je le fais pas, je vais avoir une étampe d'inactivité sur mon calendrier, marquée à tout jamais. Et ça fonctionnait. Je me mettais à faire des burpees à côté de mon bureau, une fois à l'heure. Donc, voilà une autre fonction à considérer lors de l'achat de ta prochaine montre. Malheureusement, aucune de ces montres n'a de connecteur USB-C. Non, dans tous les cas, c'est des connecteurs propriétaires. C'est peut-être comprenable avec des montres super étanches à l'eau, que le fil USB standard ne soit pas une option. Mais certaines montres ont des connecteurs beaucoup mieux que d'autres. Au final, tous font la même chose. C'est juste que j'aime d'un fil USB qui soit simple à connecter et qu'on puisse le faire les yeux fermés. Un peu comme ça. Ou comme ça. Le fil se connecte des deux côtés. Le connecteur est solide et on n'a pas peur que la connexion se défasse pendant qu'elle est laissée sans surveillance. Je pense très fort à la fameuse pince de Suunto en disant ça parce que j'arrive rarement à la connecter du premier coup et combien de fois je suis venu pour faire ma sortie pour me rendre compte que parce qu'elle a un peu bougé, la charge s'est arrêtée. Ou le connecteur magnétique de Polar, qui, bien que magnétique, n'est pas si facile que ça à aligner. Ou l'autre machin chouette à Suunto, qui ressemble à un projet d'art plastique d'un élève de prématernelle. Et bon, j'exagère un peu, mais pour vrai, ça fait dur et c'est vraiment pas agréable à connecter. Non, tiens, finalement, j'étais bien ici. On va faire un autre point ici. On est déjà rendu au 31e point de cette vidéo et on va maintenant parler d'antennes. Et oui, les montres peuvent avoir plusieurs antennes. On va retrouver le plus souvent l'antenne Bluetooth, ANT et ANT+. Elles servent essentiellement à connecter des accessoires sur ta montre comme une ceinture cardiaque à la poitrine, un compteur de foulée, de cadence. Sur ton vélo, tu pourrais même mettre, ils font maintenant des dérailleurs que tu peux connecter sur ta montre. Il y a aussi des lumières arrière pour vélo que tu peux contrôler à partir de ta montre. Tu pourrais aussi connecter ta montre à un GPS d'urgence, un tracker de chien ou à ton vélo stationnaire. Il y a même des trucs de golf. Vraiment, les possibilités sont sans fin. Si tu t'achètes aujourd'hui un nouvel accessoire, comme une ceinture cardiaque, les chances qu'elle soit Bluetooth sont quasi certaines. Mais si tu en as acheté une il y a plusieurs années, fais attention, elle est probablement en ANT ou ANT+. Donc si tu en as déjà et que tu souhaites les conserver, assure-toi que ta nouvelle montre est compatible avec ces technologies. L'antenne Bluetooth servira également à connecter ta montre à ton téléphone, soit pour faire des configurations ou pour synchroniser tes activités, ou encore, comme on a vu un peu plus tôt, pour écouter de la musique sur tes écouteurs Bluetooth. Certaines montres ont aussi une antenne Wi-Fi, mais c'est probablement la connexion la moins utile sur une montre, parce qu'en général, la connexion Wi-Fi va servir à soit faire la synchronisation ou les mises à jour de la montre. Mais tu peux aussi les faire par le biais de ton téléphone, par la connexion Bluetooth, et ça consomme moins de batterie. Alors... Enfin, certaines montres ont aussi une connexion cellulaire. La seule que j'ai testée comme ça, c'est la Garmin Forerunner 945 LTE. Je l'ai revendue. Dans ce cas, sa seule fonction était de me permettre de partager ma géolocalisation pour quelques dollars par mois et de recevoir des notifications de mes contacts par le biais de la plateforme de Garmin ou même des messages audio dans mes écouteurs. Tout ça au coût d'une batterie qui se vide à une vitesse fulgurante.
J'ai trouvé l'idée bonne, mais pas tant utile, quand après tout, je peux faire à peu près toutes ces fonctions-là en jumelant ma montre à mon téléphone. Eh bien, et parlons-en justement de ce fameux partage de géolocalisation. De toutes les montres que j'ai testées jusqu'à présent, seul Garmin le fait et je trouve ça plutôt génial. L'option s'appelle LiveTrack et comme son nom l'indique, elle permet de partager ta géolocalisation en temps réel. À intervalles de 30 à 60 secondes environ. Mais elle partage ta géolocalisation à tes contacts seulement ou publiquement, c'est comme tu veux. Elle peut le faire automatiquement au début de chaque activité ou manuellement, quand tu le souhaites. Je trouve que c'est d'abord une bonne idée de partager ta géolocalisation à au moins une personne quand tu pars faire une activité ou au cas où il t'arrive quelque chose. C'est aussi pratique de le partager avec ta blonde. Comme ça, elle va arrêter de te déranger à savoir quand est-ce que tu vas rentrer. Elle va bien le voir que tu es encore à 50 km avant de rentrer. Ou dans le cas contraire, tu peux commencer à préparer le souper pour qu'il soit prêt juste à temps pour son arrivée. Mais bien sûr, pour que tout ça fonctionne, ça te prend une connexion Internet. Ta montre peut s'y connecter par le biais de ton téléphone, à condition qu'il y soit lui aussi connecté. Sinon, tu peux aussi y accéder par l'antenne LTE de ta montre, si elle en a une, et que tu es abonné au service, et que tu es dans une zone de couverture. Jumelé à ça, encore une fois chez Garmin, il y a l'option de détection d'incident. Ça veut dire que si ta montre détecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à condition qu'elle ait encore un moyen de se connecter à Internet, elle va pouvoir envoyer un message jusqu'à 3 contacts d'urgence avec ta géolocalisation pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'aider. Lorsqu'elle détecte un incident, elle se met à crier pendant quelques secondes avant d'envoyer l'alerte au cas où ce soit une fausse détection. Je déteste profondément cette option depuis qu'elle a coupé une de mes plus longues sorties à vélo en deux parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a interpellé et j'ai freiné rapidement. Ça l'a détecté ça comme un incident et alors que j'étais en train de parler à la personne, j'ai pas remarqué que ma montre était en train de crier. Et ça l'a envoyé une alerte et ça l'a coupé mon activité. Elle m'a aussi déjà fait une fausse détection à la fin d'une activité alors que je tapais mes souliers ensemble pour enlever la boue d'en dessous de la semelle. Et encore une fois, oublie pas, ça prend une connexion Internet. Point suivant, les bracelets. Ben oui, le truc qui enveloppe la partie de ton poignet que la montre ne couvre pas. C'est tout de même un facteur majeur de la montre, alors il mérite quand même un peu d'attention. Je vais en parler rapidement parce que je prévois faire une vidéo complète seulement sur ce sujet-là, parce que j'en ai testé plusieurs et il y en a vraiment beaucoup à dire. Mais en règle générale, la plupart des montres sportives viennent avec un bracelet de silicone. Silicone, 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 silicone. Ça fait très bien le travail, mais c'est pas mon type de bracelet favori, disons. Surprenamment, la plupart respirent relativement bien. C'est un bracelet assez robuste et souple à la fois, qui finira à la longue par briser dans le trou que tu utilises le plus, du moins à mon expérience. Heureusement, un bracelet, ça se remplace. Sur certaines montres, c'est tout un casse-tête ou une tâche qui demande énormément de minutie. Sur d'autres, c'est beaucoup plus simple. Ce qui est génial quand tu as une montre sur laquelle c'est très simple, c'est que tu peux t'acheter une montre sportive passe-partout. Tu peux lui mettre un bracelet orange plus haut ou juste très confortable pendant tes activités physiques et un autre beaucoup plus chic pour quand tu sors voir du monde. Je crois que mon matériel de bracelet favori est le nylon. Simplement parce que ça respire vraiment très bien. Mon poignet ne devient jamais humide. C'est vraiment très confortable et contrairement à ce que tu pourrais penser, ça sèche très rapidement. Je dirais que celui-là, c'est mon préféré. Et encore une fois, tu peux retrouver tous les produits que je parle dans la description. Il est très rigide, mais surtout très sobre et passe-partout. Aussi agréable à utiliser à vélo, à la piscine ou pour souper. Il s'en fait aussi des beaucoup plus souples et légers, mais pas aussi esthétiques, à mon avis. Un autre que j'adore, c'est celui en titane ventilé. À mon avis, le plus beau et surprenamment confortable même pendant une activité sportive. Le seul moment où il me dérange, c'est quand je tape au clavier de mon ordinateur portable.
Il est tout le temps en train d'accrocher le port de mon ordi. Je finis par l'ouvrir et la porter plus loin sur mon bras le temps que je fais cette tâche-là. Celui en cuir italien est aussi vraiment génial. Tous les bracelets que je viens de présenter sont de Garmin. C'est à mon avis la seule compagnie qui s'efforce à développer un bel éventail de bracelets pour ses montres. Il y en a vraiment pour tous les goûts et les budgets. Donc, ce qui est important de regarder sur ta montre avant que tu l'achètes, si tu prévois changer de bracelet de temps en temps, c'est son système d'attache. Le standard est d'avoir cette petite bande de métal qui traverse la montre pour y installer le bracelet. Il suffit de la retirer et de le glisser dessus avant de la réinstaller en place. Le bracelet que je te montrais plus tôt s'installe également sur ce type de monture. Seulement, tu n'as pas besoin de retirer la tige, il ne fait que s'agripper dessus. Et non, tu n'as pas à t'inquiéter de perdre ta montre, c'est vraiment très solide. L'autre chose que tu dois regarder, c'est la compatibilité des bracelets que tu peux y installer, car tous n'ont pas la même dimension. On retrouve généralement en quelque part d'inscrit sur la montre ou sur le bracelet qui y est déjà une mesure en millimètres qui correspond à la largeur du bracelet. Ah oui, j'y pense. Si tu as des très gros poignets, vérifie avant de commander ton bracelet sa longueur pour être certain qu'il te fasse. J'ai entendu plus d'une fois des gens se plaindre que les bracelets étaient trop petits pour eux. Parlons maintenant de fonctions intelligentes. Les montres de sport sont de plus en plus connectées, mais attention, elles restent avant tout des montres de sport. Les montres intelligentes et les montres de sport, c'est deux mondes totalement différents. Sur ta montre de sport, tu peux t'attendre à voir les notifications qui rentrent sur ton téléphone se transférer sur ta montre. Et si tu as une très bonne montre, tu vas même pouvoir répondre aux messages qui rentrent avec des messages préprogrammés. Sans blague, ça s'arrête pas mal là aujourd'hui dans le monde des montres de sport. Bon, sur certaines, tu peux avoir la météo si elle est connectée à ton téléphone. Sur d'autres, tu peux aussi suivre le marché boursier. Mais bon, sur un écran de montre, ça vaut ce que ça vaut. Je suis en train de faire le montage de la vidéo, puis je trouvais que j'étais passé quand même assez rapidement sur le point de la météo. Et je trouve que c'est une fonction qui est absolument, mais absolument génial, je l'utilise à tous les jours et surtout en hiver, je trouve ça le fun. Avant de sortir faire mon activité, je me demande il fait combien dehors. J'ai juste à lever le bras et c'est écrit là sur ma montre. J'ai même pas à appuyer sur un bouton, je l'ai directement sur mon écran d'accueil. Et si je sors sur une période prolongée, je veux savoir quel genre d'averse il s'en vient. Je regarde le ciel, je suis pas sûr. Ben, je suis toujours à deux clics d'être capable de voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, d'avoir la météo sur ma montre, c'est définitivement quelque chose que je ne veux plus me passer. Tu peux aussi parfois retrouver une fonction pour payer avec ta montre, mais fais juste vérifier si ta banque est compatible avec ce service, parce que dans mon cas, je peux pas. On a aussi parlé de musique un peu plus tôt. Ah oui, tu devrais aussi pouvoir prendre un appel. En fait, tu vas pouvoir faire décrocher ton téléphone, parce que tu vas quand même avoir besoin de ton téléphone pour faire l'appel. Bref, c'est ce que je disais. Dans ce domaine, les montres de sport peuvent avoir l'air totalement dépassées à côté d'une montre intelligente. Mais c'est que c'est deux mondes totalement à part pour l'instant. Pour le point suivant, on va parler d'une fonction qui n'est malheureusement pas disponible sur toutes les montres, et c'est de reprendre une activité plus tard. Ben oui, ça semble être une option tout bête, mais il n'y a que très peu de montres qui peuvent le faire. C'est une option que je me sers, par exemple, quand je suis sur une grande sortie de vélo et que je m'arrête dans un restaurant. Je ne veux pas arrêter mon activité pour la couper en deux. Et je ne veux pas non plus la mettre en pause et la laisser sur la page de l'activité parce que je sais très bien que quand je vais avoir fini de manger, que je vais ressauter sur mon vélo, je vais oublier de repartir ma montre. En plus que ça gruge la batterie pour rien. Sur les meilleures montres, il y a une option pour reprendre l'activité plus tard. Donc, ça te sort de ton activité et ça te ramène à ta page d'accueil, comme quand tu n'es pas en train de faire une activité sportive. Tu peux attendre aussi longtemps que tu veux avant de repartir ton activité, ça ne gruge pas ta batterie. En plus, ça te donne le confort d'avoir ton cadran habituel au poignet pendant que tu es en train de manger. Et ça va faire en sorte aussi que quand tu vas sauter sur ton vélo, tu n'oublieras pas de la repartir parce que tu vas t'en rendre compte assez vite. Sur ton cadran de la page d'accueil, tu ne peux pas voir ta vitesse. Avant que cette fonction existe, je laissais tout simplement ma montre rouler pendant que j'étais au restaurant ou peu importe. Parce que je voulais pas
couper mon activité en deux parce que je voulais pas l'arrêter, parce que je savais que j'allais oublier de la repartir. Alors, ben, comme j'étais à l'intérieur avec ma montre, ça avait pour effet de faire plein de faux déplacements sur la carte et à la fin de la journée, fausser mes données. Point suivant, les entraînements musculaires. Si c'est quelque chose d'important pour toi, tu pourrais très certainement apprécier une montre qui est capable de te bâtir un programme d'entraînement en te montrant littéralement avec des animations quoi faire. Celle-ci te permet de créer toi-même tes propres entraînements ou de suivre ceux qui te sont suggérés par la montre. Tu peux indiquer les charges que tu lèves et les répétitions que tu fais, calculer les temps d'effort, de repos. Personnellement, ce n'est pas une option que j'utilise à fond, mais je trouve que c'est vraiment bien fait et ça doit être intéressant pour vraiment plusieurs personnes. Un autre point à ne pas négliger, c'est l'application du fabricant pour ta montre. C'est sur cette application-là que tu pourras voir le résultat de tous tes entraînements. C'est aussi là que tu pourras planifier tes itinéraires et un paquet de trucs en lien avec ta montre. Pour moi, le plus important, c'est que mes activités se synchronisent avec Strava, et ça, pas mal toutes les montres peuvent le faire. Mais si tu veux regarder vraiment tous les statistiques en détail, c'est l'application qui va te le donner. Et là, c'est vraiment un choix personnel. Sensiblement, tu vas retrouver un peu toujours les mêmes infos, mais elles sont affichées de façon différente. Attention, certaines montres offrent aussi une plateforme web. Quand je viens de terminer mon activité et que je veux rapidement regarder mes statistiques, oui, j'aime bien ça le faire sur mon téléphone. Mais quand vient le temps de préparer ma prochaine expédition à vélo et de me faire des grands itinéraires sur les cartes, je préfère largement le faire sur l'ordinateur. Donc, si la plateforme pour ordinateur est importante pour toi, mieux vaut choisir une montre qui offre cette option. Pour ma part, mes deux applications favorites sont Garmin pour toute sa polyvalence, elle est vraiment très complète, mais celle que je trouve le plus agréable à consulter, c'est celle de Polar. J'aime leur graphique et la disposition de leurs données. Je trouve que c'est sur elle que j'ai eu le plus de plaisir à regarder mes statistiques. Point suivant, les langues disponibles. Personnellement, j'utilise tous mes appareils électroniques en anglais parce que ça m'évite de vivre avec des erreurs de traduction qui font aucun sens, mais aussi parce qu'il n'est pas rare de voir des appareils souffrir de petits bugs par-ci par-là quand ils ne fonctionnent pas dans la langue dans laquelle ils ont été programmés. Mais si c'est important pour toi d'utiliser ta montre dans ta langue maternelle, vérifie si elle est disponible sur la montre de ton choix. Avant-dernier point, le prix! Là, il y a juste toi qui sais combien tu es prête à mettre dans une montre. Mais souviens-toi d'un de mes proverbes favoris, « Je ne suis pas assez riche pour me permettre des produits bon marché. » Si tu n'as pas vu ma vidéo à ce sujet, je te laisse un lien dans la description ou dans le coin en haut à droite. S'il me reste encore de la place, j'ai le droit juste à 5. Mais bon, attends-toi quand même à dépenser quelques centaines de dollars, euros, francs, couronnes, livres, peu importe la devise que tu utilises. Je dirais qu'en ce moment, tu peux commencer à trouver des bonnes montres à partir de 300$. Je te reviens avec des suggestions dans quelques instants. Et attention, tu peux acheter des très mauvaises montres pour plus cher. Mais à partir de 300$, en général, tu as quand même quelque chose de bien. En mettant plus d'argent, tu vas sûrement avoir plus de fonctions, mais tu vas aussi avoir une plus grosse batterie, tu vas avoir des matériaux de meilleure qualité et fort probablement un plus beau look aussi. Celle que je garde dans mon poignet, normalement, parce que là je m'amuse à changer de montre à chaque séquence, vaut presque 2000$ canadiens avec les taxes et c'est pas la plus chère. Il y en a vraiment pour tous les goûts et les budgets. Et nous arrivons au point final, mes suggestions de montres. En passant, à chaque fois que j'achète une montre, je fais une critique très complète sur la montre. Alors, si tu veux aller les voir, c'est sur mon autre chaîne, l'Atelier de Pascal. Je vais te laisser les liens dans la description si tu veux aller y jeter un coup d'œil. Mais si tu veux t'acheter une nouvelle montre, je te suggère fortement d'aller regarder ma critique avant. Donc, je vais te recommander 3 montres selon tes besoins et c'est un peu dur de se tromper, c'est des montres qui sont assez polyvalentes. Et ce sont sans surprise 3 Garmin. C'est à mon avis eux qui font les meilleures montres, alors je me vois mal te recommander d'autres choses.
Et oui, si tu veux les commander, les liens sont dans la description. Et si tu les utilises, je t'en remercie beaucoup. C'est le même prix pour toi quand tu passes par là, sauf que je reçois une commission. Et c'est ces revenus de commission-là qui m'aident énormément à faire des vidéos comme celle que tu es en train de regarder, que je travaille dessus depuis maintenant plus d'un an. Donc, à chaque année, ma montre favorite, ou ma série de montres favorites, devrais-je dire, c'est la Garmin Fenix. C'est la montre par excellence, sans compromis. Elle fait juste pas mal tout, ou peut-être presque tout, ce que je viens de te parler dans la vidéo. Elle est fabriquée avec des matériaux de qualité. C'est de loin le meilleur outil de navigation. Je n'ai que des éloges à faire à cette série de montres à chaque nouveau modèle. En plus, elle offre une grande diversité dans les choix de couleurs et même de taille. La série Fenix a aussi quelques montres quasi identiques, mais qui répondent à des besoins plus spécifiques, comme la Epix, qui a un écran AMOLED, ou encore la Enduro, avec son immense batterie, pour te traquer encore plus longtemps. Et enfin, la Tactix, qui répond aux besoins militaires. D'ailleurs, c'est elle que je garde à mon poignet dans la vie de tous les jours. Je l'ai choisie simplement parce que je préfère son look. C'est une des séries de montres les plus dispendieuses, mais crois-moi, si tu fais des activités physiques régulièrement, et particulièrement si tu fais beaucoup de plein air, tu voudras plus t'en passer. Le modèle suivant est la Forerunner 900. Et là, attention, je dis 900, mais c'est un peu dur à suivre, les Forerunner. Les Fenix, c'est simple, il y a eu la 1, la 2, la 3, et là on est rendu à 7. Chez Forerunner, il y a 4 séries, si je me trompe pas, celle dans les 900, les 700, les 200, et celle qui est dans les dizaines. Je pense que ça finit toujours par un 5, puis ça monte à shot de 10. Celle que j'ai testée, c'est la Forerunner 945 LTE, et là, son nouveau modèle que j'ai pas encore testé est sorti, c'est la 955. En gros, tu vas y retrouver sensiblement les mêmes options que la série Fenix, mais dans un boîtier en plastique. Ça permet donc de réduire les coûts, mais aussi le poids de la montre. Et enfin, le modèle que je recommande à tout le monde qui n'est pas prêt à mettre trop d'argent dans une montre, c'est la Garmin Instinct. Si tu peux te le permettre, vas-y pour le modèle de dernière génération, mais la première génération est toujours en vente et à un prix tellement ridicule pour tout ce qu'elle fait. Vraiment, en termes de capacité, elle est comparable à des montres qui se vendent 5 à 10 fois le prix. Attention, j'ai pas dit aussi bonne, j'ai dit comparable. À mon avis, son seul réel défaut, c'est qu'elle est très laide. Mais ça, c'est une question de goût. Bon, je t'ai donné mes suggestions personnelles, mais comme je te disais au tout début de la vidéo, chaque personne a des besoins différents, alors utilise quand même ton bon jugement avec toutes les informations que je viens de te donner pour faire un choix judicieux. Je me suis quand même permis de te parler de ces trois montres parce qu'elles sont vraiment très polyvalentes. Donc voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère t'avoir bien éclairé avec cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te répondre. Je lis encore aujourd'hui tous mes commentaires à tous les jours. Et si tu veux t'instruire davantage, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos avec les liens dans la description. Sur ce, fais attention à toi et à bientôt. Salut!